Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette matinée d'éco-conception. On est ravis de vous accueillir. Je parle au nom de toute l'équipe de ReFashion pour cette matinée un peu spéciale qu'on a eu le temps de préparer depuis des mois maintenant, auquel on a beaucoup réfléchi, qu'on a voulu dans un premier temps de manière physique. Et les événements ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve tous de manière virtuelle. On espère que l'ordre du jour va vous plaire et que les formats qu'on va vous proposer également. On se retrouve sur un outil qui s'appelle Opin. Donc, vous allez voir qu'il y a une salle principale qui s'appelle la Main Stage, auquel vous verrez passer les différents intervenants du programme. Donc, pour rappel, on aura donc Samuel Mayer qui viendra nous présenter l'éco-conception, sa définition. On aura également Erwan Autray et Marc Perrin, Erwan Autray de l'ADEME et Marc Perrin de Decathlon, qui viendront nous parler de la maturité des marques de textiles et de chaussures sur le sujet de l'éco-conception. On accueillera aussi l'association Henri, la Fédération française du prêt-à-porter féminin, l'UIT Sud ainsi que Blue Quest, pour nous parler de la plateforme EcoDesign. Et pour finir, nous réaccueillerons Erwan Autray de l'ADEME pour nous parler des sujets affichage environnemental, des textiles et de la chaussure. Donc un programme riche pour cette salle une qui est la scène principale. Mais en parallèle, vous verrez qu'il y a d'autres stands tenus par des marques qui ont souhaité témoigner aujourd'hui pour mettre en avant les démarches d'éco-conception qu'elles mettent en place chez elles. Donc, vous verrez notamment les marques Oli, Aujuste, Etam, Balzac et également la marque TBS pour la chaussure. On vous a aussi préparé une vidéo démonstration de la plateforme EcoDesign. C'est aujourd'hui l'événement qui lance cette plateforme. Donc, on est ravis de vous la présenter. Donc, vous pourrez accéder au stand qui la présente. N'hésitez pas aussi à aller dans l'onglet networking, réseautage, où vous pourrez échanger et rencontrer des personnes qui participent à cet événement avec qui vous pourriez avoir beaucoup d'éléments à aborder autour de l'éco-conception ou autre. Donc, j'accueille ce matin Alain Claudeau, directeur général de ReFashion, ainsi que Maud Hardy, directrice du pôle économie circulaire chez ReFashion. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous, je suis donc Alain Claudeau et j'ai l'immense plaisir de diriger l'éco-organisme depuis 10 ans. Je suis très heureux d'être avec vous car la raison d'être de l'éco-organisme est d'accompagner la filière textile vers une économie de plus en plus circulaire, c'est-à-dire une filière professionnelle qui développe une meilleure utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des produits qu'elle offre à ses clients. Tout au long du cycle de vie, c'est-à-dire de la conception à la fin de vie. Notre mission est d'intérêt général. Elle s'exerce dans le cadre réglementaire de la REP, responsabilité élargie du producteur, qui exige que la prévention et la gestion des déchets issus des produits mis sur le marché soient prises en charge par les entreprises afin que ces fameux déchets potentiels deviennent de nouvelles ressources. Vous savez qu'en tant que consommateur, chaque fois que vous faites l'acquisition d'un vêtement neuf, nous payons une éco-participation pour financer le coût et le traitement de la fin de vie de ces vêtements. Avec l'éco-contribution, l'éco-organisme fait trois choses. D'abord, il assure que la fin de vie est effectivement gérée en soutenant les opérateurs de tri. Ensuite, il mobilise tous les acteurs à changer et à faire évoluer les comportements, notamment en modulant son éco-contribution pour les produits les plus vertueux et en soutenant l'innovation. Enfin, il mesure les progrès réalisés, produit des outils et diffuse les meilleures pratiques. Pour nous tous, 2020 est une année particulière. Pour l'éco-organisme, c'est une année majeure de transformation, c'est une année majeure d'accélération. Notamment parce que l'économie circulaire est maintenant inscrite dans la loi. C'est pour cela qu'EcoTLC a décidé de devenir ReFashion. Pourquoi ReFashion? Parce que la mode, c'est la façon de s'habiller. Parce que
Le mode, c'est la façon de faire les choses. Ainsi, Refashion encourage de nouvelles façons de concevoir, de produire, d'acheter, de porter la mode. Refashion encourage et encouragera de nouvelles façons de réutiliser et recycler les articles dont, à un moment donné, nous n'avons plus besoin parce qu'ils sont trop petits, ils sont trop grands ou ils ne nous plaisent tout simplement plus. Ainsi, EcoDesign est un nouvel outil à la disposition des entreprises de la filière textile. Avant de passer la parole à Maud, qui vous en révélera beaucoup plus, je voudrais prendre quelques instants pour remercier toutes les marques, pour remercier nos nombreux partenaires et surtout l'équipe Refashion qui est mobilisée depuis plusieurs mois dans cette démarche en co-construction. La co-construction, une nouvelle façon d'avancer ensemble, tout à fait Refashion. Merci, bonne matinée. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis Maud Hardy, je suis en charge de l'économie circulaire chez Refashion. Quand nous avons commencé ce chantier de l'éco-conception il y a 2 ans, on a fait le constat qu'il n'existait pas d'outils simples, référents, pour aider les stylistes, les designers, les chefs de produits, les acheteurs à s'engager sur des démarches d'éco-conception. Donc on s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on crée un outil qui soit vraiment l'outil référent pour la filière. Et donc, nous avons co-construit cet outil avec des marques, avec des experts de l'éco-conception textile. Et nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail. Le résultat de ce travail, c'est la plateforme EcoDesign, dont on va vous parler toute la matinée, et qui va vous aider à initier ces démarches, qui va vous aider à aller plus loin dans l'éco-conception. Pour son lancement, on s'était dit, on va faire un truc dingue. On avait réservé le Stade de France. On avait Beyoncé et Philippe Catherine qui étaient là pour faire un live couture. On avait même Barack Obama et Nicolas Hulot qui voulaient faire un hackathon sur le jean. Mais on s'est dit, tout ça, c'est trop facile, c'est déjà vu. On va faire plus ambitieux. Et donc, on a dit, on va faire un événement 100% digital. Ça va être génial. On va tenir pendant 2h30. On va réussir à faire du contenu de qualité, on va réussir à faire des témoignages de marque, on va faire parler les pouvoirs publics, ça va être passionnant. Et donc aujourd'hui, vous allez assister à ça, une matinée hyper intense, hyper variée, qui va vous permettre à vous, les marques, de comprendre un peu ce qu'on dit quand on dit éco-conception et comment vous pouvez vous engager à nos côtés pour faire la mode de demain, la mode 100% circulaire à laquelle on aspire tous. Ce matin, vous êtes entre 400 et 500, on avait à peu près 1000 inscrits hier, et vous avez des profils très variés. On espère que tout le contenu qu'on va vous proposer aujourd'hui vous intéressera. En tout cas, c'est la preuve que l'éco-conception textile, c'est le sujet d'actualité. C'est le sujet auquel tout le monde fait référence quand on parle de la mode. Il faut que la mode change, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle se transforme, et l'éco-conception, c'est le moyen d'aller vers une mode plus responsable et exemplaire. Donc, on espère que cette matinée vous plaira. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Amusez-vous, posez des questions, faites-nous vos retours, vos commentaires. Cette plateforme et cet outil, il est pour vous, il est construit avec vous et il évoluera grâce à vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et surtout, soyons tous responsables et exemplaires. Au revoir. Merci beaucoup, Maud Alain, pour cette belle introduction. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Samuel Mayer du Pôle Éco-Conception. Donc, on va parler d'éco-conception toute la matinée. Je pense que c'est primordial qu'un intervenant de qualité nous pose les bases et nous explique auprès de tous quelle est au final cette notion d'éco-conception, pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette matinée. Donc, je lui laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Samuel Mayer, donc je dirige le pôle éco-conception. Alors, je suis pas le Philippe Catherine de l'éco-conception, mais je vais essayer de vous présenter ça de manière la plus succincte et puis claire aujourd'hui, dans le temps qui est imparti. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Alors, si on peut regarder juste le premier transparent, là, ce qui est important, c'est cette notion de cycle de vie qui a été abordée dès l'introduction par notre cher directeur. Le cycle de vie, c'est prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux qui peuvent se situer de l'extraction des matières premières pendant la fabrication, lors de l'emballage, de la logistique et du transport,
pendant l'usage et puis en fin de vie, comment on traite un petit peu tout ça en fin de vie. La conception et l'éco-conception, en fait, c'est en amont. C'est là où on a le maximum de degrés de choix et c'est là où on peut diminuer au maximum l'impact environnemental sur tout ce cycle de vie. Alors, ce cycle de vie, il est générique, très clairement. Si on peut regarder juste la diapo suivante, quand on le spécifie au textile, finalement, on se rend compte, dans le secteur textile, eh ben, on est beaucoup lié aux matières premières, alors qu'elles soient végétales, animales, minérales, synthétiques ou artificielles, voire de nouvelles matières qui sont en train de se créer tous les jours. Et puis, on a un processus qui se fait avec différents modes de fabrication. Alors, de manière simplifiée, il peut y avoir la filature, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, la confection, la réalisation. On peut avoir certaines finitions aussi qui se réalisent ensuite. L'emballage de transport, on sait que bah, si vous sourcez des matières, vous avez la filière textile est une filière qui est mondiale hein, de fait de ses matières premières et puis de ses usages. Et puis il y a l'utilisation. Donc le textile, c'est quelque chose qui doit être se porter propre, il nécessite un nettoyage, du séchage, du repassage. Et puis il y a tout ce qui est l'objet même de Refashion au départ, même s'il s'élargit aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en fin de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se départit de ses vêtements, de ses textiles, de ses chaussures, comment on essaye de boucler les boucles par le réemploi, la revalorisation, le recyclage, et puis en dernier lieu, l'élimination. Alors il faut bien comprendre que quand on a un produit textile, on est quand même sur un produit qu'on va appeler consommateur en phase d'utilisation. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup d'impact lors du lavage, du taillage, du séchage, parce que on le réalise régulièrement sur le produit. Pour autant, là où on peut agir en tant qu'industriel, c'est sur les matières premières, la filière, et avec Refashion, comment organiser la filière fin de vie. Au-delà de ça, il faut savoir comment travailler avec les autres acteurs de la filière, les partenaires, les parties prenantes, pour orienter, aider les utilisateurs que nous sommes tous à diminuer l'impact lors de l'utilisation. Donc l'éco-conception, c'est ça, l'éco-conception appliquée au textile avec ses grands enjeux, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, puis ayant vu la plateforme qui vous sera montrée, vous comprendrez un petit peu là où on peut agir en termes d'éco-conception dans le secteur textile. Alors si on peut regarder juste après, la diapositive d'après, qui me semble importante et qui est dédiée un petit peu aux industriels, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte. Aujourd'hui, c'est plus l'affaire seulement d'écologistes. On travaille de longue date avec l'ADEME pour faire des études sur les retours économiques de l'éco-conception et on sait que c'est quelque chose qui est rentable. Dans 96% des cas, l'éco-conception augmente la performance globale des entreprises. C'est-à-dire qu'elle améliore, on va dire, le travail fonction dans l'entreprise. Quand on interroge les commerciaux, ils nous disent que quand ils ont une offre éco-conçue, les clients écoutent. Alors, ils ne sont pas toujours en mesure de dire en quoi ça a été un facteur d'achat à la fin, mais les gens écoutent. Ça améliore le recrutement, ça améliore la motivation des personnes dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, on a 40% des cas des entreprises qui font des co-conceptions qui augmentent leur marge. Et en fait, c'est toutes ces entreprises qui arrivent à utiliser l'environnement, on va dire, comme une innovation, comme un vecteur d'innovation, c'est-à-dire d'utiliser l'environnement, l'éco-conception, cette vision cycle de vie pour augmenter la valeur d'usage auprès du consommateur-utilisateur et puis tout en augmentant pour lui sa différenciation et en créant des avantages concurrentiels. C'est quelque chose qui est très important parce que pendant longtemps, on a pensé que l'éco-conception, c'était une source de coût. Eh ben non, on s'est rendu compte que c'était une source de revenus dès lors qu'on l'utilisait de manière, on va dire, proactive et puis comme un vecteur d'innovation. Alors le dernier point qui me semble important, et je pense que ce sera repris par les différents intervenants, que j'ai cru comprendre que Marc Perrin présenterait un petit peu tout ce qu'il fait chez Decathlon, c'est comment communiquer. Si on peut voir le transparent juste après, ça peut être savoir comment acheter. C'est-à-dire communiquer, c'est pour les consommateurs, c'est savoir acheter les meilleurs produits avec les communications les plus robustes. Et puis pour les metteurs sur le marché, c'est se différencier. Donc aujourd'hui, en termes de communication environnementale, c'est normalisé. Donc c'est toute la série des ISO 14020.
Donc le grand chapeau, qui ne nous concerne pas directement, puisque sur l'application directe sur les dans les produits, pour du textile ou on va dire chaussures, on a d'abord les écolabels, principalement l'écolabel européen. S'il n'est pas beaucoup aujourd'hui utilisé sur les textiles, on va quand même le retrouver sur la chaussure. On a un certain nombre de chaussures qui sont écolabels. L'écolabel, c'est la reconnaissance par un tiers État. Aujourd'hui, en France, par exemple, c'est l'AFNOR qui va valider un niveau de performance à la fois technique et environnementale. Donc, c'est les produits les plus écologiques et les plus performants qui seront reconnus. Donc, toutes les entreprises qui en font la demande et qui arrivent à ce niveau de performance ont ce label-là. Pour autant, il y a un certain nombre d'entreprises qui veulent se différencier. Parce que quand on a l'écolabel, on a tous l'écolabel. Hein, c'est-à-dire qu'on fait partie des meilleurs, mais comment se discriminer parmi les meilleurs? Et donc, on a tout le système d'autodéclaration qui sont, on va dire, des allégations sur votre simple responsabilité. Et vous allez pouvoir dire, mon produit, il est d'origine coton biologique. Il est, à partir de polyester recyclé, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des autodéclarations qui peuvent être validées ou non par une tierce partie. Le troisième niveau, qui ne concerne pas forcément les consommateurs lambda, mais qui est plutôt une communication, ce qu'on dit en B2B, c'est-à-dire que quand la SNCF va commander par exemple du textile ou Air France, qui sont des grands consommateurs parce qu'ils en ont besoin pour leur personnel, on peut transcrire les résultats d'une analyse du cycle de vie. Alors, l'analyse du cycle de vie, c'est quoi? C'est la photographie scientifique des impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, de manière scientifique, et puis c'est traduit en effet de serre pour changement climatique, en eutrophisation, etc., etc. Donc c'est plutôt une communication d'expert à expert et qu'on va retrouver plutôt, on va dire, plutôt dans le marché B2B. Alors il y a un peu une application de ça qui est en train de se mettre en place avec une expérimentation qui vient d'être lancée cette année, qui est l'affichage environnemental, et pour lequel on a beaucoup de demandes sur la partie textile. Donc finalement, c'est une ACV, mais un peu plus simplifiée, plus accessible, et qui peut être communiquée à la façon, entre guillemets, d'un Nutri-Score. C'est-à-dire qu'à la fin, on va discriminer les meilleurs produits avec des notes A, B, C, D, E, pour le t-shirt, la chemise, le pantalon, ou autre chose. Donc c'est quelque chose qui s'est lancé cette année, qui est porté par l'ADEME, dans lequel il y a une DSP, donc une délégation de services publics et un certain nombre de prestataires qui peuvent accompagner là-dessus. Donc voilà très rapidement l'éco-conception, une approche au cycle de vie, une approche rentable et qu'on peut communiquer, valoriser auprès de ses clients et consommateurs. Alors j'espère Adèle que j'ai pu répondre un petit peu à la demande du jour et dans les temps. Merci beaucoup Samuel. Donc on a même de l'avance sur le programme. Donc s'il y a des questions que vous souhaitez poser à Samuel sur la démarche d'éco-conception ou plus largement sur d'autres sujets, on a le temps de les aborder et les traiter. Vous avez donc le chat de la salle qui est à disposition pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, on a suffisamment de temps là pour pouvoir en traiter certaines. Donc j'ai une première question de Florence sur la rentabilité de l'éco-conception qui souhaite en savoir plus. Samuel, est-ce que tu peux lui répondre? Alors, il y a eu différentes études qui ont été menées, la première en 2008 qui était plutôt sur des cas français et puis canadiens. On en a refait une en 2014 auprès de 140 entreprises d'Europe de l'Ouest et puis un peu d'Amérique du Nord. Et après, elle a été reconsolidée par une étude avec l'ADEME auprès d'une dizaine d'entreprises. Alors, c'est tout secteur confondu, B2B, B2C, textile, non textile. Et ce qu'on regardait, c'est quels sont les facteurs de rentabilité. Et déjà, la vraie question, est-ce que c'est rentable ou pas rentable? Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour beaucoup d'entreprises, l'éco-conception, c'est une manière de réduire les coûts. Donc ça, c'est la première manière de faire, c'est-à-dire moins de matière, être plus efficient. Donc ils réduisent les coûts, et pour autant, ça permet pas de créer plus de valeur. Donc soit, la plupart du temps,
Soit ces points, ils sont repris via le retail en termes de négociation, soit il y a une diminution du prix de vente. Et puis le deuxième point, c'est sur les 40% que j'abordais, c'est ceux qui arrivent à créer de la marge supérieure parce qu'ils vont amener une valeur ajoutée pour le client utilisateur final, parce qu'ils vont amener des fonctions supplémentaires par l'intégration de l'environnement. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont diminuer l'impact environnemental, mais ils vont répondre mieux aux besoins des utilisateurs, ce qui fait qu'ils vont avoir un positionnement prix qui va être un petit peu plus intéressant. Et donc, c'est ces points qui sont les plus intéressants pour nous, parce que quand on voit aujourd'hui, alors je pense, si on s'applique plutôt à la filière textile, on a les grands, vous verrez tout à l'heure avec Etam, avec Decathlon, tout ce qui est fait, puis il y a plein de petits aussi qui se positionnent, avec, on va dire, sous le bord de start-up, avec des solutions vraiment innovantes et qui se positionnent sur un marché et qui ensuite, ces solutions sont déployées plus largement dans un second temps. Donc, ouais, donc on a vraiment quelque chose de rentable. Et alors, juste pour info, mais je pense qu'Erwan en reparlera, on relance une étude, enfin, l'ADEME relance une étude sur la rentabilité et il y a un questionnaire en ligne, un baromètre qui est en cours, qui a été lancé vendredi soir. Merci beaucoup Samuel. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui défilent dans le chat concernant l'affichage environnemental. C'est vrai que c'est un sujet très fort dans l'actualité en ce moment. Pour rappel, dans le programme de la matinée, à 11h10, nous aurons Erwan Autrey de l'ADEME qui interviendra sur ces sujets d'affichage environnemental et qui, je pense, pourra vous répondre entièrement à toutes vos questions sur le sujet. Néanmoins, si Samuel, tu veux t'exprimer un petit peu plus là-dessus, voilà, je te laisse la parole. Quelque chose, c'est que, et je pense qu'Erwan reviendra sur la partie technique, c'est quelque chose de très opérationnel. Et donc, c'est mesurer un peu l'ensemble des flux qu'on a sur ces produits, les passer dans un outil, dans une base de données qui va être transcrite en impact, et après, il va y avoir, on va transférer ça dans une note. Donc c'est très opérationnel. Alors malgré tout, c'est la première année que c'est mis en place de manière, on va dire, large. Donc tout le système se met en place depuis cet été et on espère voir les premières notes. Alors, il y en a déjà eu, hein, j'ai eu des expérimentations avant, mais au sens, on va dire, aujourd'hui du BPX, donc c'est le champ normatif qui nous est proposé. Ça va commencer à arriver, je pense, d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Ok, merci beaucoup Samuel. Il nous reste peut-être le temps pour une dernière question. Concrètement, on a des questions sur comment on fait, quels outils sont à notre disposition pour mettre en place l'éco-conception. Alors, bon, je pense que c'est tout l'objet de la plateforme, hein. Vous verrez, il y a tout un tas d'outils, de guides qui sont vraiment spécifiques. Moi, je vais vous dire déjà, aujourd'hui, vous avez la chance, je travaille au niveau européen, on a la chance en France d'avoir des soutiens, donc vous pouvez avoir des relais sur les territoires qui peuvent vous aider à faire un premier niveau d'intervention, d'orientation qui peut se faire de manière gratuite ou relativement peu cher. Donc ça, c'est soutenu soit par les délégations régionales, ADEME et ou les régions. Donc n'hésitez pas à revenir vers Adèle ou vers moi, je vous donnerai un petit peu les contacts par région. Puis l'autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une base de données qui est mise à disposition, qui est gratuite et qui est spécifique au textile. Donc sur la base de données Impact, vous tapez base de données Impact ADEME, vous allez avoir toutes les données gratuites disponible, ce qui est relativement, enfin, je veux dire, on n'a pas l'équivalent ailleurs en Europe. Il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau européen, mais c'est pas encore prêt. Donc, on a cette chance-là. On a des outils type bilan produit dans lequel vous pouvez utiliser ces données-là et faire vos évaluations. Et puis après, pour la recherche de solutions, bah, vous avez la plateforme, hein, qui vous sera présentée et vous verrez qu'il y a plein de choses à voir. Il y aura plein de notes d'informations sur les typologies de textiles et comment faire les choix. Merci Samuel. Dernière question, on a beaucoup de questions sur les labels, les certifications. On nous parle de Bicorp dans le chat. Est-ce que tu as un avis particulier sur ces sujets? Alors moi j'ai pas d'avis particulier, c'est-à-dire que en fonction de vos contraintes, de votre marché, de vos concurrents, il faut choisir les labels qui vous sont les plus adaptés. Alors attention, il y a des labels qui sont plus orientés sur l'entreprise, la gestion de l'entreprise.
B Corp est celui-là, c'est-à-dire qui va valider un positionnement, vos ambitions et la manière dont vous allez arriver à vos ambitions, de la même manière que vous en avez, vous avez l'ISO 14001 qui va mesurer la mise en place d'un système de management au sein de vos entreprises et qui peut être ouvert à la perspective du succès, mais ça reste plutôt quand même organisationnel. Et puis après, vous avez les labels qui peuvent être privés, donc on va appeler labels environnementaux, donc des labels privés, et vous avez les labels officiels qu'on va appeler les écolabels, donc type NF environnement, l'écolabel européen et ce genre de label. Voilà. Et puis ensuite, vous avez les déclarations environnementales, vous avez la liberté de déclarer des éléments qui vous semblent factuels, vérifiables, robustes sur vos produits pour vous discriminer. Mais bon, on pourrait y passer longtemps parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise communication. Il faut choisir la communication qui est adaptée à vos moyens, à vos contraintes et puis au marché, au positionnement que vous avez. Merci beaucoup Samuel pour ton intervention, pour avoir pris le temps de répondre aux questions. Je me permets de rapidement compléter. N'hésitez pas à aller consulter le stand qui s'appelle EcoDesign, où vous verrez une démonstration de la plateforme qu'on a mise en ligne. Elle fait aujourd'hui partie des outils qui existent pour le secteur du textile et de la chaussure pour vous aider dans vos démarches d'éco-conception. N'hésitez pas à aller découvrir cette petite vidéo et à vous inscrire sur la plateforme pour engendrer les démarches. Samuel, je te remercie et maintenant j'accueille pour la suite de la matinée Erwan Autray de l'ADEME ainsi que Marc Pérègne de Decathlon. Donc nous allons parler de la maturité en éco-conception des marques de textiles et de chaussures. Donc maintenant que l'on sait ce que c'est, que l'on sait de quels outils on peut se servir, qu'on connaît sa définition et son approche cycle de vie, en fin de compte, où en est le secteur, où en est le marché du textile et de la chaussure, c'est ce qu'on a essayé d'évaluer. Dans un premier temps, on a mené un questionnaire auprès des participants de cette matinée, dont on va pouvoir vous montrer un rapide résumé sur les slides. Avant de faire parler Erwan Autray et Marc Pérègne. Donc si on peut mettre les slides, super. On a mené cette enquête sur la maturité des marques en éco-conception. Sur la slide suivante, on va voir que cette enquête a été envoyée aux 382 premiers inscrits de la matinée d'éco-conception. Pour lesquels on a répondu, ils nous ont répondu à 19%, c'est-à-dire 74 réponses, et ce qui représente 38 marques, 38 metteurs en marché de textiles et de chaussures différents. Donc, on est capable de vous dire aujourd'hui que cela représente 10% des quantités mises sur le marché. Donc, en majorité, ce sont des personnes du secteur du textile d'habillement qui nous ont répondu, suivi de la chaussure. Et le linge de maison est également représenté. Donc voilà, on a abordé dans ce questionnaire les trois scopes du textile d'habillement, de la chaussure et du linge de maison. Bien sûr, et je souhaite faire une mise en garde, on est bien sur une évaluation auprès de 38 marques, ce qui représente 10% du marché sur les quantités mises en marché en France. Donc, ce sont simplement des grandes orientations sur la manière dont l'éco-conception est abordée aujourd'hui par les marques, à ne pas prendre en tant que conclusion ferme et définitive sur les orientations du marché. Donc, la première question qu'on a posée, on va voir sur la slide suivante, c'est est-ce que vous développez des produits éco-conçus ? Et en majorité, vous nous avez répondu oui à 80%. Pour les 20 autres pourcents, c'était non, mais c'est en cours de réflexion. Donc, on voit déjà que via ce questionnaire, on s'est adressé à une cible qui était déjà sensibilisée à la notion d'éco-conception, qui en avait entendu parler, qui avait initié les démarches. Donc, on ne s'est pas adressé ici à une cible qui était novice sur l'éco-conception.
La deuxième question qu'on leur a posée, sur la slide suivante, c'était est-ce que la marque a défini l'éco-conception au sein de son entreprise? Est-ce qu'elle a mis en place des critères qui lui permettent de déclarer qu'un produit est éco-conçu? Alors, à 45%, la réponse est oui. Vous avez chez vous, dans votre entreprise, votre définition de l'éco-conception qui vous est propre selon vos critères. Sur quel produit en majorité, ça c'est l'objet de la slide qui suit. On vous a demandé quels étaient les produits que vous éco-conceviez en majorité. Celui qui ressort comme produit, c'est le t-shirt à 64%. Et la catégorie qui suit, c'est donc pantalon, short, bermuda, hein, qui forment une seule et grande catégorie. Je pense effectivement ici que c'est le pantalon et notamment les jeans éco-conçus qui vous ont amené à répondre que vous éco-concevez ce type de produit. La grande catégorie de produits qui suit, ça va être toutes les grosses pièces, donc les vestes, les manteaux, les blousons. Et puis après, se suit les pulls, les chemises, les accessoires, la lingerie. Donc il y a quand même une grande catégorie de produits qui se démarque, c'est le t-shirt. Je pense qu'on peut définitivement lier ça au volume de mise en marché, à la qualification de ce produit en tant qu'essentiel, indispensable de garde-robe. Sur la slide suivante, on vous a demandé quels étaient vos objectifs associés à l'éco-conception. Pour 100% des répondants, l'éco-conception, c'est réduire la consommation d'eau et d'énergie. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Donc, je pense que c'est un des objectifs qui a été bien assimilé par les marques sur le marché du textile et de la chaussure. Et également, pour 92% d'entre vous, c'est réduire le besoin du consommateur. Donc, c'est proposer sur le marché des produits émotionnellement durables qu'on va pouvoir garder plus longtemps. Alors que les objectifs qui vont suivre, qui sont un petit peu en dessous, mais qui restent importants pour vous, ça va être produire de manière éthique, concevoir des produits circulaires. Donc, quand on parle de circulaire, ça va être recyclable, qui intègre des matières recyclées. Ça va être aussi réduire l'impact chimique et minimiser les déchets. Donc voilà, écoutez, c'est les résultats de la petite enquête qu'on a menée en amont de cette matinée, qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. L'idée, c'est de faire une photo à date de où on en est aujourd'hui sur l'éco-conception, où en est le marché, à quel point il est mûr sur le sujet. Et de pourquoi pas faire évoluer cette photo qu'on pourrait prendre annuellement et réévaluer pour voir comment avance le secteur du textile et de la chaussure dans les démarches d'éco-conception. Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux à définir l'éco-conception et si oui, comment, sur quels critères? On va accueillir maintenant Marc Pérègne de Decathlon qui nous fait le plaisir de partager la définition de Decathlon que eux se sont fixés en interne autour de l'éco-conception. On va comprendre quels sont leurs critères qui permettent de définir qu'un produit est éco-conçu chez Decathlon. Marc, je te passe la parole. Merci Adèle, bonjour à tous. Je vais vous permettre de juste vous partager la définition qu'on a, nous à Decathlon, qu'on a définie. Avant ça, je vais peut-être faire une petite introduction. Ça fait moi 5 ans que je suis chef de projet éco-conception au sein de Decathlon. Et Decathlon a plusieurs activités, la plus connue c'est le retail, la distribution de produits sportifs. Mais maintenant, depuis plus de 20 ans, il y a aussi une activité de conception. Et c'est cette activité de conception qui, aujourd'hui, nous fait dire qu'on doit absolument éco-concevoir nos produits. Donc, on a la chance puisqu'on a aussi une maîtrise de notre chaîne de valeur. Et donc, c'est un vrai levier d'éco-conception. Pour éco-concevoir, il faut d'abord savoir ce qu'il y a dans le produit pour savoir quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir. Et donc, ça, c'était vraiment une grosse valeur ajoutée que nous, on a à Decathlon là-dessus. Donc, c'est, je le dis souvent, mais Samuel l'a un peu dit, en fait, éco-concevoir, c'est simplement mieux concevoir.
Et dans ce cadre-là, on avait besoin quand même de se dire, bah, il y a quoi derrière éco-conception? Il y a quoi derrière ce mot-là? Et nous, on a commencé les travaux d'éco-conception il y a presque plus de 10 ans maintenant. Je vous fais simplement le rapide historique. C'est venu plutôt de la communauté ingénieurs chez nous. Pourquoi? Parce que le premier pas dans l'éco-conception, ça a été de se dire, bah, en fait, où on en est, et de parler vraiment d'évaluation environnementale. Donc, on a passé plusieurs années à essayer d'évaluer l'impact environnemental de nos produits. Et ça, c'est hyper structurant pour nous parce que on veut pas simplement se contenter du bon sens environnemental, de se dire ça semble meilleur pour l'environnement ou pas, parce que parfois c'est des choses qui sont contre-intuitives. Au fil des années, avec les équipes projet de Decathlon, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont contre-intuitives. Donc c'est important de se baser sur l'évaluation. Et donc je suis très content que d'intervenir parce que on a parlé un petit peu des bases de données, notamment de la base de données dont Samuel parlait et Erwan va en faire référence, de l'ADEME qui nous a vraiment permis déjà de poser les premières bases de vers où on va aller. Donc premier point, c'était vraiment de se dire on doit évaluer l'impact de nos produits. Et une fois qu'on a ça, donc maintenant on évalue la majeure partie de l'impact de nos produits. Une fois qu'on a ça, c'est ben, très bien, on a évalué. Et à partir de quand? En fait, tu peux considérer que les actions que j'ai mises en place, c'est une démarche d'éco-conception. Donc, c'était très important pour nous de définir ça, parce que la définition de l'éco-conception au sens de la norme, globalement, elle dit de réduire l'impact sur l'ensemble du cycle de vie du produit, en garantissant ses qualités d'usage sur les différents enjeux environnementaux. Mais ça ne nous a pas permis de nous mettre en action dans le sens où aujourd'hui, les gros projets qu'on a, donc qui est constitué de plein de métiers, mais majoritairement d'un ingénieur, d'un designer et d'un chef de produit, bah, fallait pouvoir les mettre en action. Donc dans ce cadre-là, bah, on a voulu définir des critères très concrets de c'était quoi un produit éco-conçu pour Decathlon. Et dans ce cadre-là, alors il y a une petite slide qui va apparaître. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'un produit Decathlon? Donc nous, on a choisi de dire en fait, il y a deux axes. Il y a le premier axe, je vous en parlais, de l'évaluation. Et donc pour nous, bah, l'objectif, c'est de se dire, à partir de moins 10% d'impact environnemental par rapport au produit précédent, et bah, on peut considérer que c'est une démarche d'éco-conception. C'est assez significatif pour dire que c'est une démarche d'éco-conception. Et puis en parallèle, on a des choses qu'on n'est pas encore capable d'évaluer. Alors, je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs années que les équipes, notamment d'ingénieurs techniques, creusent le sujet. Et donc, on arrive à des choses assez détaillées maintenant. Donc, parfois, bah, on n'a pas toutes les données. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est doté de critères plutôt qualitatifs. Donc, souvent, je dis, on a une partie quantitative avec l'évaluation environnementale. Mais aussi on a des critères qualitatifs qui nous permettent quand même d'avancer. Là, il y en a quelques-uns, mais en réalité, ces critères qualitatifs, bah, on vient en ajouter au fur et à mesure de nos connaissances, de ce qu'on met en œuvre. Et puis on vient, voilà, donc par exemple, on a des critères sur le taux de recyclé qu'on met dans nos produits. Par exemple, c'est 70% du poids du produit en polyester recyclé. À partir de ce seuil-là, on peut vraiment dire qu'on a fait de l'éco-conception. Puis on a de la matière, on a aussi des procédés de teinture, par exemple, mais enfin, on a aussi d'autres choses qui ont vocation à vraiment venir rentrer en compte, notamment des actions de designer, voilà, qui sont un peu plus largement que uniquement la matière ou le process. Et donc cette définition, elle a vraiment permis à tout le monde de dire, de poser vraiment un cadre qui est de dire, bah, c'est ça un produit éco-conçu, donc quand je fais un brief produit pour mon équipe, bah, je vais pouvoir m'appuyer sur ça. Puis c'est aussi quelque chose sur lequel on s'appuie sur communiquer nos actions. Donc là, en autodéclaration, de dire bah, qu'est-ce qu'on a fait sur le produit en termes d'action. J'aime à dire que cette définition, elle est dynamique parce que bah, au fur et à mesure, on va apprendre des nouvelles technologies, on va apprendre des nouvelles matières. Et donc, il va falloir ajouter ces critères-là. Et pour ajouter ces critères-là, bah, il y a toute une réflexion avec les équipes techniques, parce que je fais le penchant entre techniquement ce qu'on est capable de faire et aussi les gains environnementaux. Je prends un exemple sur le coton recyclé. Aujourd'hui, le critère, c'est 30% de coton recyclé intégré à un produit. Et quand on évalue l'impact environnemental de ça, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à ces 10%.
Pour autant, on sait très bien que le coton recyclé, c'est un vrai levier d'éco-conception qui permet quand même de réduire l'impact environnemental. Et ces 30%, pourquoi c'est pas plus? C'est qu'aujourd'hui, nous, en tout cas à Decathlon, les limites techniques, elles se situent autour de 30%. Donc on a des projets qui sont en cours pour augmenter ce ratio de coton recyclé. Mais voilà, ça permet aussi aux gens de d'utiliser cette matière-là, de vraiment se pencher là-dessus et de la déployer. Plus on la déploie, bah, plus on va pouvoir en mettre. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment aussi d'avoir cette notion de définition dynamique. J'aime bien dire aussi que, en fait, quand on prend un petit peu la définition d'éco-conception, c'est aussi un produit, il a une démarche d'éco-conception, mais par rapport à une référence. Chaque fois, c'est par rapport à une référence, par rapport au marché, par rapport au produit précédent. Et du coup, c'était très intéressant de se dire qu'il faut qu'on aille au-delà des standards. Demain, j'aime bien dire, c'est que demain, si l'ensemble du marché textile, et j'espère, utilise par exemple du polyester recyclé, utilise des teintures propres et que ça devienne des standards du marché, bah pour moi je dirais bah c'est plus forcément de l'éco-conception, puisque si tout le marché l'utilise, il faudrait qu'on aille un step plus loin. Mais en tout cas, ça nous permet de travailler, ça nous permet, alors je vous dis qu'elle est dynamique, mais c'est pas non plus toutes les semaines ou tous les 6 mois, on essaie quand même de la fixer pour que les équipes puissent s'appuyer dessus et travailler, mais on sait très bien que dans le futur elle va évoluer. Aujourd'hui on est capable de faire alors je vous ai dit moins 10%. Donc ça, c'est le seuil minimum. Mais par contre, bah, on a des projets sur lesquels on a atteint moins 20%, moins 30%, jusqu'à moins 40% sur certains projets. Alors, pas beaucoup plus pour l'instant. mais voilà. Donc, dans beaucoup de projets, on arrive quand même à aller un peu plus loin que ces moins 10%. Mais ce moins 10%, c'est une réduction assez significative pour dire qu'il y a une vraie action d'éco-conception qui permet une baisse. Voilà. Et puis, pour peut-être finir, enclencher sur les discussions. Nous aujourd'hui, du coup, on a un objectif. Donc, je vous ai dit, ça fait quand même un peu plus de 10 ans qu'on se penche sur les questions d'éco-conception. Il y a eu un vrai virage en 2016 lorsqu'on a fait la vision de Decathlon. Et ce virage-là, il a permis vraiment de poser ça. Alors, il y avait déjà plusieurs personnes qui travaillaient cette éco-conception-là, bah, de façon ponctuelle dans certains projets, sans forcément qu'on leur demande d'ailleurs. Et c'est une vision qui a été remontante, donc beaucoup de collaborateurs ont dit ça, c'est un sujet très important. Et depuis 2016, il y a une vraie intégration au niveau stratégique de dire ça, c'est un sujet qu'on doit faire. Et donc, sur l'éco-conception, on a un objectif que 100% de nos produits aient une démarche d'éco-conception d'ici 2026. Donc, c'est très ambitieux, mais pour nous, ça semble très nécessaire aussi de pouvoir le faire, parce qu'il y a des choses actuelles qu'on pourrait déployer plus vite. Je vous partage la maturité qu'a Decathlon. La maturité, elle est beaucoup en conception maintenant. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à avoir ça sur le marché pour vous aussi vous être assez transparent et vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, les produits éco-conçus à Decathlon, ça représente grosso modo 5% du chiffre d'affaires de Decathlon. On a encore beaucoup, une grosse marge de progression, et cette définition très précise de l'éco-conception, elle va permettre d'aller dans ce sens-là. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les critères existants qu'on a pour définir ce qui est un produit éco-conçu ou non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet, si Erwan veut partager quelque chose. Merci beaucoup, Marc. Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions dans le chat. Une qui revient, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le biton? Oui, alors ouais, il y a des petits termes techniques, puisque cette slide, c'est clairement celle que j'utilise en interne. Le biton, c'est une technologie qui nous permet de teindre un seul fil sur deux. Voilà, le fil de tram et le fil de chaîne. Et du coup, donc on a un fil qui est teint la fabrication du fil. Et puis le biton, c'est une technologie qui nous permet de teindre un fil sur deux. Donc on va vraiment réduire l'enjeu environnemental lié à la teinture en utilisant cette matière-là. Alors elle a des petits compromis, puisque justement là on parlait de l'implication du design, elle a des petits compromis, c'est que finalement on va pas forcément avoir des couleurs très flashy là-dessus. On va plutôt avoir des teintes assez pâles, mais on commence à avoir, on a déployé justement un colorama de cette technologie-là. On va pouvoir utiliser dans quand même pas mal de produits.
Les premiers produits sur lesquels on a intégré cette technologie, c'était sur des vestes, en se disant, bah, l'intérieur d'une veste, finalement, on va pouvoir le mettre. Et c'est pour ça que sur certains produits, on a des intérieurs de veste. En premier lieu, ils étaient gris. C'était la première couleur qu'on a développée, en disant, bah, on va faire un fil noir et puis un fil non teint, et puis ça va faire plutôt une teinte grise. Et du coup, on pouvait le mettre à l'intérieur de nos doudounes, par exemple. Ce qui fait que ça nous a permis, sur une partie de nos produits, de réduire l'impact. Voilà la définition de ce qu'on en fait du biton. Merci Marc. La dernière question et après je vais passer la parole à Erwan. Est-ce que vous avez mis en place en interne chez Decathlon un outil pour calculer l'impact environnemental des produits? Alors oui, c'est la première chose qu'on a fait quand on s'est lancé dans l'éco-conception. Alors on a commencé sur des tableaux Excel grâce aux bases de données. Et puis on a intégré notre outil de conception en disant bah, on a des bases de données à disposition, on va les intégrer. Et lorsqu'un ingénieur renseignait, par exemple, bah, j'utilise 1 kg de coton pour mon produit, alors un peu moins, on va dire 100, 150 grammes de coton dans mon produit, et ben bah, ça faisait appel à des bases de données qui disaient bah, pour 150 grammes de coton teint de telle façon, tricoté par exemple, et ben on a des impacts environnementaux qui étaient associés. Donc tout de suite l'ingénieur il avait une vision de l'impact de son produit. Et ça c'est un outil qu'on essaye au fur et à mesure d'améliorer parce que ben, les méthodes de calcul, les connaissances sur les bases de données évoluent au fur et à mesure. Parfois on manque de données donc on doit se dire bah comment on comble ces données-là. Mais je vous dis on manque de données mais la majeure partie des données pour se mettre en action, elles sont disponibles. Elles permettent déjà de se dire, je peux aller dans cette direction-là. On arrive vraiment à des niveaux de détail qui, pour nous, dans notre maîtrise de chaîne de valeur, est importante. Donc, on a intégré cet outil-là dans notre outil de conception et on est au fur et à mesure, chaque année, en train d'essayer de l'améliorer. Merci beaucoup Marc pour ton témoignage qui, je pense, sera précieux et inspirant pour des marques qui voudraient se lancer elles aussi dans la définition de l'éco-conception en interne. Un grand merci. J'accueille maintenant Erwan Autray de l'ADEME qui, de leur côté, travaille aussi sur la question de maturité en éco-conception et il va vous parler du nouvel outil. Qui viennent fraîchement de lancer. Erwan, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Adèle et bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter le baromètre éco-conception 2020 qu'on vient de lancer et Samuel l'avait annoncé dans son intervention précédente. Le baromètre est en ligne et je vais vous le présenter. Tout simplement, avant de rentrer dans le détail, je voulais vous dire que la maturité d'une entreprise en éco-conception, ça se mesure, effectivement. C'est quand même une donnée difficile à évaluer. Moi, je suis ravi de voir le résultat là, du sondage, de l'enquête qui a été faite tout à l'heure. 80% d'entre vous développent déjà des produits éco-conçus. Donc ça, c'est vraiment un résultat intéressant. Nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est sur le secteur textile et au-delà, sur d'autres secteurs, quelle est finalement la part de l'éco-conception et que font les entreprises? Donc ce baromètre s'adresse aussi aux entreprises qui ne font pas d'éco-conception. Alors, je voulais vous présenter des slides sur deux résultats qu'on a issus d'études précédentes. Il y a déjà le pôle éco-conception qui avait fait en 2014 une étude sur la maturité des entreprises en éco-conception et les profits des entreprises. Donc ça va être sur la diapositive suivante. Les profits des entreprises. Alors c'est un sondage intéressant parce qu'il date de 2014. C'est déjà la deuxième édition par rapport à la première édition qui était en 2008. Donc vous voyez, il y a toute une marge de progression. L'éco-conception, ça date des années 2000. Ce sondage avait été fait par voie d'enquête en France et au Québec avec un taux de réponse de 119 et ça s'adressait aux entreprises de tout secteur. Et ce qu'on avait constaté sur le panel, c'est qu'elles avaient
4,5 années d'expérience en éco-conception. Donc c'était aussi déjà un panel assez focalisé. On arrive à capter finalement dans ces enquêtes des entreprises sensibilisées à l'éco-conception. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que quand on leur pose la question de est-ce que l'éco-conception, en plus des gains environnementaux, vous apporte un profit, à 96%, c'est oui. C'est neutre ou positif. Et si on creuse un petit peu, pour 21% d'entre elles, c'est même un profit significatif ou très significatif. Donc là, le message qu'on fait passer, là, depuis ce début des années 2010, c'est que éco-conception, c'est un duo bénéfice environnemental et bénéfice économique. Le deuxième résultat que je voulais vous partager, c'est une étude qu'on a réalisée également par voie d'enquête en 2017 sur un périmètre, donc ça va être dans la diapositive suivante, par voie d'enquête sur un panel plus large. Cette fois-ci, on a eu 200 réponses avec des enquêtes téléphoniques de 30 minutes, toujours tout secteur, donc on n'est pas encore ciblé secteur de textile d'habillement et chaussures. Et quand on leur repose cette question sur est-ce que quelle est votre maturité en éco-conception? Là, notre surprise, et c'est sans doute parce que le panel est plus large, dans une majorité des cas, ça reste une notion. Une notion que l'entreprise ne sait pas trop mettre en œuvre. Donc, d'où l'intérêt de ces définitions, de partager les définitions, d'avoir des ressources qui expliquent et sensibilisent l'éco-conception. À l'inverse, il y a quand même un signal qui est plus qu'un signal faible, qui est un vrai signal positif sur les entreprises engagées en éco-conception. On voit que 10% des entreprises interrogées sur le panel de 200 ont mis en œuvre une démarche d'éco-conception sur quelques produits, et c'est même 9% qui ont mis en œuvre sur la majorité des produits de l'entreprise. Donc là, on voit déjà, on commence à voir une tendance sur le développement de l'éco-conception. Alors, je ne réponds pas à la question d'Adèle, qui est quelle est la maturité des entreprises et des marques textiles et chaussures sur l'éco-conception. Donc là, pour répondre à cette question, ben, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour répondre à notre baromètre qui est en ligne. C'est un baromètre donc sur la diapositive suivante, on a travaillé avec le pôle éco-conception à la définition d'un questionnaire pour à la fois connaître les entreprises secteur par secteur, par taille, donc avoir un profil d'entreprise, avoir ensuite les caractéristiques de la maturité de ces entreprises en éco-conception. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est de regarder quel est le lien, l'impact de l'éco-conception sur la performance économique de l'entreprise. Donc, quelques mots supplémentaires avec la dernière diapositive, c'est ce baromètre, et on attend vos réponses, ce baromètre qui est en ligne, doit vous permettre aussi à vous, entreprise, de pouvoir vous positionner par rapport au panel de 2014. Donc, on a repris certaines des questions et tout de suite, vous pouvez avoir la comparaison. Vous pourrez vous comparer au panel 2020 quand les résultats seront disponibles. Et ça vous permet aussi de visualiser concrètement, via le jeu des questions, les bénéfices économiques potentiels de cette démarche. Alors, vous avez ici le lien qui est un petit peu long. Si vous faites les trois mots-clés, ADEME, enquête, éco-conception, rapidement, vous allez tomber sur l'enquête, qui est une enquête relativement simple. Hein, en moins de 15 minutes, elle peut être remplie. Et donc, on vous espère nombreux pour pouvoir cette fois-ci avoir des... Enfin, moi, je vise plus de 500 réponses et on espère pouvoir en tirer justement des enseignements plus sectoriel, et y compris avec les entreprises qui ne font pas de l'éco-conception et qu'on va aller chercher davantage avec cette enquête. Juste avant d'aborder le jeu des questions-réponses, j'aurais voulu aussi vous mentionner une étude qu'on va lancer sur la mesure des bénéfices économiques. Cela, c'est chaque fois du déclaratif, pardon, avec des résultats d'enquête. On veut aller plus loin. Et donc, j'avais prévu deux slides, si vous pouvez les projeter. On a prévu d'aller plus loin avec, cette fois-ci, un consultant qui va pouvoir entrer dans l'entreprise, regarder les résultats comptables, discuter avec les études marketing, avec les responsables éco-conception, pour mesurer les bénéfices économiques de l'éco-conception. L'étude qu'on va lancer en 2021 vise à élargir les résultats de l'étude 2017 qui apparaît à l'écran, qu'on avait réalisé sur un panel de 10 entreprises,
Et on n'avait pas non plus d'entreprise dans le secteur textile et chaussures. Ça s'adressait aux entreprises qui font de l'éco-conception de plus de 3 ans. Et on a constaté que systématiquement, de façon significative, l'éco-conception permettait d'augmenter le chiffre d'affaires, que dans la majorité des cas, 9 cas sur 10, ça avait conduit aussi à une réduction des coûts de production. Et puis enfin, le bénéfice social ou d'engagement des salariés au sein de l'entreprise, une démarche d'éco-conception, ce n'est pas que un projet technique ou un projet économique, c'est aussi un projet qui donne du sens et qui renforce, enfin, ce qui a été constaté sur les 10 cas, ça renforçait l'engagement des salariés. Donc, dans ma dernière slide, je voudrais faire un appel à candidature pour les entreprises et les marques que vous êtes. Qui veut participer en 2021 à notre nouvelle étude sur les bénéfices économiques de l'éco-conception? Alors, je suis ravi de voir qu'il y a déjà 38 marques, 38 metteurs en marché qui font de l'éco-conception. Donc, cet appel à candidature est pour vous. N'hésitez pas à prendre contact pour qu'on vous présente les objectifs de cette nouvelle étude et les modalités. Je vous remercie et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup Erwan pour ta présentation. On a beaucoup de demandes de partager le lien du baromètre et de l'étude. Donc aucun souci, hein. Tous les éléments qui vous seront présentés tout au long de la matinée, l'étude dont vous a parlé Erwan ainsi que le baromètre, vous seront partagés dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Ainsi que ultérieurement suite à l'événement. On a quelques questions sur à qui s'adresse ce baromètre. Est-ce que c'est seulement au secteur du textile ou de la chaussure ou est-ce que c'est ouvert plus largement? Ça s'adresse à toutes les entreprises de tous les secteurs. J'ai peut-être pas été assez clair. Et aussi, quelle que soit la taille, qu'on soit une PME, une start-up ou un grand groupe. Ok, merci Erwan. Est-ce que dans l'étude, des entreprises du secteur du luxe ont été interrogées? Alors, on a interrogé. Dans les études précédentes, non, on n'a pas de chiffres détaillés. Par contre, là, on compte aussi sur tous les réseaux, le soutien et la diffusion qu'on peut avoir avec les entreprises du luxe. C'est un secteur vraiment très intéressant pour pouvoir travailler sur des leviers d'éco-conception. Donc, moi, j'attends aussi enfin, j'attends le maximum de réponses pour qu'on puisse sortir des résultats et que les enseignements d'un secteur ou d'un segment du marché puissent éclairer les autres segments. On a J'ai aussi envie de également. rajouter juste, ouais, excuse-moi, à la fin du questionnaire, vous verrez, il y a une petite question qui est acceptez-vous de laisser vos coordonnées? Donc ça, c'est le règlement RGPD. Si vous cochez non, vous serez jamais embêté. Par contre, à l'inverse, si vous nous laissez votre adresse mail, ça permettra de vous communiquer les résultats du panel 2020 qui seront sous forme de synthèse très détaillée, où là, vous aurez cette analyse sectorielle. Parfait, merci Erwan. Je pense que ça conclut très bien ton intervention. Je te remercie. Je remercie également Marc qui était présent pour cette table ronde. N'hésitez pas à aller vous auto-diagnostiquer sur le baromètre qui a été mis en place par l'ADEME, de définir l'éco-conception, hein, mettez en place vos critères également en interne. En fait, ReFashion, on est là pour vous aider. Et c'est l'objet de la table ronde suivante. C'est le nouvel outil que nous avons mis en place et créé, qui est la plateforme EcoDesign. Je vais accueillir pour la table ronde suivante les différentes parties prenantes qui nous ont accompagnées tout au long de ce projet et qui ont fait aboutir au printemps 2020 une plateforme sous le nom de EcoDesign. Donc pour cette table ronde, j'accueille Clotilde Champetier de l'association Auré.
J'accueille Richard Rico de l'Union des industries textiles Sud. J'accueille Adeline Dargent de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, ainsi que Fanny Garcia de Blue Quest. Je vais leur donner la parole l'un après l'autre. L'idée, c'est que chacun témoigne de la manière dont ils nous ont accompagnés sur la création de cette plateforme éco-design. Donc, on va parler méthodologie, on va parler contenu de ce que l'on trouve sur cette plateforme. Si vous ne connaissez pas encore la plateforme, je vous invite de tout cœur à aller consulter dans l'onglet Expo la vidéo de présentation de Ecodesign où vous allez rapidement comprendre comment elle est construite, comment on s'en sert, quel contenu je peux retrouver dessus. Donc ça vous fera une bonne introduction pour comprendre quel est l'objet de cette fameuse plateforme Ecodesign dont on vous parle depuis 9h30 ce matin. Je commence tout de suite par accueillir Clotilde Champetier de l'association Auré, qui va nous parler de toute la méthodologie du projet depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Clotilde, je te laisse la parole. Merci beaucoup Adèle et bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, chez Auré, on a eu la chance d'accompagner ReFashion dans l'ensemble du développement de cet outil qui vous est présenté aujourd'hui. Donc comme le rappelait Adèle, alors j'avais une slide à partager, si jamais vous pouvez la diffuser, ce serait super. Donc le lancement de cette plateforme, enfin de la démarche en tout cas, il est daté de février 2019. C'est le jour du premier comité de pilotage de lancement, qui était un comité de pilotage qui nous a permis de valider les objectifs du projet, ses grandes étapes, le pilotage de la mission et aussi de valider les membres qui constituent le comité d'experts qui nous accompagne dans l'élaboration de cet outil. Donc, j'y reviendrai plus tard sur le rôle du comité d'experts, mais voilà. Donc, février 2019, lancement du premier copil. Tout de suite après, on a commencé à faire un état de l'art, qui visait à recenser les sources existantes sur l'éco-conception dans le secteur des TLC, donc textile, linge de maison, chaussures, avec pour objectif de compiler tous les éléments qui sont pertinents et de constituer une bibliothèque pour permettre l'élaboration de cette plateforme. Ce travail, il a été articulé avec le projet de centre de ressources de l'ADEME. En parallèle de cet état de l'art, on a aussi fait un benchmark avec pour objectif de mieux connaître les outils d'aide à la décision pour identifier les formats qui sont les plus porteurs, donc vous l'avez compris, l'éco-conception, l'objectif, c'est pas simplement de penser, mais c'est bien de mettre en œuvre. Donc, c'était plutôt l'objet de ce benchmark. Rapidement après, donc là, je passe à ma deuxième étape, on a mobilisé les marques. En fait, cette étape de mobilisation des marques, elle aurait pu être tout au long de la démarche qu'on mène, mais disons que la mobilisation officielle, elle a commencé en mars 2019 au travers d'un questionnaire et d'entretiens. Donc le questionnaire, il était diffusé à tous les adhérents de ReFashion en ligne. On a eu 87 répondants et ils répondaient à deux objectifs. Premièrement, mobiliser les acteurs en amont, donc dès le départ, pour identifier leurs besoins, leurs attentes et leurs pratiques en matière d'éco-conception, pour pouvoir construire cet outil en fonction de tous ces éléments qu'on avait compilés. En parallèle, on a mené des entretiens avec une quinzaine de volontaires qui étaient des marques de taille et de formes variées et des métiers très divers. Donc, on a interrogé des concepteurs, des fournisseurs, des fabricants, des distributeurs, donc pour avoir un panel qui soit représentatif de l'ensemble des utilisateurs finaux. Là, notre objectif, c'était le même, identifier leurs besoins, leurs attentes et leurs pratiques et collecter des informations à partir de leurs expertises de terrain à eux. Donc, muni de tout ça, on a commencé à créer du contenu. C'est ma troisième étape sur ma frise qui était l'été dernier, donc juin, juillet, août 2019.
Donc, on a commencé à rédiger des contenus. Je pense qu'on va en revenir un tout petit peu plus en détail, mais là, c'est l'époque, en tout cas, où on a commencé à rédiger des fiches qu'on a appelées des fiches anti-sèches, qui visaient à acculturer les metteurs en marché. Donc, on va vous y parler, vous y retrouverez là, sur la plateforme des matières, des labels, des infos sur les ressources, les procédés, les technologies. Donc, voilà, dans ces fiches anti-sèches. Et en parallèle, on a rédigé des fiches à vous de jouer. Donc, il y en a une vingtaine actuellement sur la plateforme. Donc là, l'objectif, c'est plutôt comment mettre en place, suivre et évaluer l'éco-conception dans vos structures. Ces fiches, enfin les thématiques, elles ont été validées par notre comité d'experts qu'on avait réuni à cette étape. En parallèle, donc une fois qu'on avait rédigé ces fiches, on les a testées dans des ateliers avec des metteurs, auprès de metteurs en marché, pour les rendre réellement opérationnels et au plus près de leurs expertises de terrain. Et ensuite, on a demandé à nos experts, à notre communauté d'experts, de les relire pour, encore une fois, s'assurer de la robustesse de ce qu'on présentait et de ce qu'on présente aujourd'hui. Suite à ça, il y a eu une phase de brief d'IT et de déploiement web de la plateforme. Donc, on a interviewé les utilisateurs finaux, écrit le cahier des charges et briefé différents IT. Je ne vais pas revenir en détail de tout ce qu'on a fait à cette époque, mais notre objectif premier et unique, c'était d'avoir une interface facile d'utilisation, qui soit visuelle, et qui donne envie aux utilisateurs d'y aller, de l'utiliser et vraiment de s'en emparer au quotidien. En parallèle de cette phase, on a rédigé des retours d'expérience, ils l'ont fait, qui visaient à aller interroger des metteurs en marché qui avaient déjà mis en place des démarches d'éco-conception dans leur structure et qui sont venus témoigner avec l'explication de leur démarche, mais aussi un angle frein et levier, donc qu'est-ce qui a été possible, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été difficile, pour permettre à d'autres metteurs en marché de bénéficier de cette expérience. Suite à ça, donc on a eu une phase de pré-lancement, donc la plateforme a été pré-lancée début mai, auprès de différentes parties prenantes qui avaient été mobilisées depuis le février 2019, on leur a envoyé un questionnaire pour essayer d'avoir des retours tout simplement sur ce qui marchait, ce qui marchait pas dans la plateforme. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, on a consolidé les contenus et les formats et donc on arrive aujourd'hui dans la crise qui est, comme vous savez, le lancement de cette plateforme. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez sur cette plateforme, c'est que c'est un outil qui a été basé sur le besoin de l'utilisateur, qui se veut le plus opérationnel possible, qui a été construit avec de multiples parties prenantes, c'est-à-dire à la fois les utilisateurs, mais aussi des experts en éco-conception et surtout en textile, aussi complet possible en termes de contenu et avec une interface qui se veut friendly et adaptée au secteur des TLC. La suite de cette plateforme, ce sera l'animation, mais je vous en parlerai dans un second temps après les différentes interventions. Merci beaucoup Clotilde pour cette intervention, pour ce récapitulatif de la méthodologie qu'on a suivie, qui a été très riche ces derniers mois. Merci pour l'accompagnement que vous nous avez apporté avec Auré. Donc Clotilde reprendra la parole à la fin de cette table ronde pour vous parler de l'après. Donc j'en dis pas plus. Et on garde également les questions pour la fin de la table ronde. Je passe donc maintenant la parole à Adeline Dargent de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Donc Adeline va nous présenter un guide spécifique sur lequel elle a travaillé en co-construction et qui est notamment diffusé dans la partie éco-veille
de la plateforme EcoDesign. Donc, si vous avez encore un doute sur ce qu'est la partie EcoVeille, rendez-vous sur la plateforme EcoDesign, rendez-vous sur le stand Expo et consultez la vidéo de présentation pour un rapide descriptif. La partie EcoVeille, ce sont l'ensemble des ressources documentaires et bibliographiques autour de l'éco-conception et de l'économie circulaire sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Et on a aujourd'hui Adeline qui va nous parler de l'une d'entre elles. Adeline, je te passe la parole. Merci beaucoup Adèle, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de contribuer à cette belle plateforme d'éco-conception parce que je pense qu'effectivement toutes les entreprises aujourd'hui se sentent parfois un peu perdues et ont besoin d'outils assez didactiques. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'un guide qu'on a réalisé et qui est sorti l'année dernière, début 2019. Alors je sais qu'il y a aussi Fanny Garcia sur cette table ronde qui nous a beaucoup accompagnés, c'est le cabinet avec lequel nous avons travaillé et nous étions en partenariat pour ce guide avec la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire et la Fédération des industries du vêtement masculin. Donc c'est à souligner, les fédérations travaillent ensemble aussi sur ces sujets. Et tout ça avec le soutien de notre comité de développement, le défi. Donc pour entrer dans le vif du sujet, j'ai un certain nombre de slides, donc je veux bien qu'elles soient lancées, si c'est possible. Super, merci beaucoup. Alors on va passer donc à la suivante. Pour rappeler, on s'est focusé, là on est un petit peu en amont de la partie éco-conception, puisque notre guide s'adresse à des entreprises qui en fait se rendent bien compte. On avait mené nous aussi une enquête pour voir un petit peu le niveau de maturité par rapport à leurs enjeux RSE, donc c'est un petit peu plus vaste que l'éco-conception. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie sensibilité et à la fois une problématique, enfin des entreprises qui ne se sentaient pas nécessairement très exposées, ce qui était assez paradoxal. Donc, les enjeux RSE, c'est quand même un sujet qui est relativement, enfin, qui est vaste. Et nous, dans notre secteur, donc là, je parle plus spécifiquement du textile habillement, on se rend compte que la majorité des enjeux sont quand même concentrés sur la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que ce guide, il est vraiment concentré donc sur les enjeux sociaux et environnementaux les plus significatifs donc pour les acteurs de la mode. Donc, comment ça s'est passé l'enquête, j'en ai parlé. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce guide, on l'a voulu adapter à tous. Alors, à la fois des petites entreprises, puisque nous, c'est au niveau de la fédération, c'est vraiment notre cœur de cible, mais aussi des entreprises plus structurées et qui souvent sont quand même plus matures sur tous ces enjeux. Donc, juste pour vous donner une idée, on avait 2-3 PME, dont certaines déjà assez sensibles au sujet, je pense à des marques comme de bonne facture ou One Willy, et puis des groupes plus structurés qui sont déjà plus avancés et notamment les marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam pour le groupe Fast Retailing. Donc des ateliers qui ont permis de construire ce guide en fait et d'éprouver la méthodologie. Donc on va passer à la slide suivante. Donc avec le sommaire, donc vous voyez ce sommaire donc avec bon les grands enjeux bien sûr, la démarche pas à pas et puis surtout ce qui est intéressant dans ce guide et c'est ce sur quoi j'insisterai peut-être un petit peu plus, c'est les outils qui ont été développés pour aider les marques à avancer. Donc ça va de la méthodologie de cartographie des enjeux jusqu'à la communication. Donc, on va passer à la slide suivante. Merci. Alors, l'identification des enjeux, vous les connaissez. Je pense que la plupart des personnes qui sont présentes sur cette matinée connaissent les enjeux. Mais bon, je pense qu'il est, il est pas inutile de revenir dessus. Donc, on a bien sûr travaillé à la fois les droits humains, les conditions de travail et les enjeux environnementaux. Donc, on voit bien à travers ce slide où se situent les enjeux. Donc, chez nous, dans le secteur de l'habillement, textile habillement, on est bien sur de la matière première. On le voit, c'est assez flagrant. À la fois sur les enjeux environnementaux, et là,
ça a déjà été évoqué, j'ai vu passer sur le chat un certain nombre de questions, et notamment sur les matières et les enjeux. Et là, si on regarde de plus près, il faut aller sur des questions d'ACV matière. Ne pas oublier les enjeux humains, droits sociaux, y compris sur la matière première. Là, actuellement, on parle beaucoup du coton et du problème des Ouïghours en Chine. Important pour les marques aussi de se positionner là-dessus. Et puis, pour nous, secteur habillement, la partie confection, produits finis, on le voit bien au niveau des enjeux sociaux, c'est très, très important. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et évidemment, et là, ça reboucle un petit peu avec le sujet de l'éco-conception et de l'économie circulaire. On le retrouve donc en bas à droite du slide sur la partie environnement, l'utilisation et la fin de vie des produits. Et effectivement, quand on parle de recyclabilité, c'est un sujet très important et c'est un sujet sur lequel les marques ont de plus en plus envie de travailler. Et donc, ça se réfléchit en amont et quand on choisit sa matière première, bien sûr. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec chacune des marques pour voir un petit peu quels étaient les enjeux prioritaires et se dire à court terme sur quoi est-ce que on travaille en priorité. Donc vous voyez bien identifier en rouge les enjeux prioritaires. Donc je viens de les évoquer, on retrouve bien les droits humains, les conditions de travail, la gestion des substances chimiques, puisqu'effectivement la toxicité est un vrai sujet, et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études qui ont été menées auprès de consommateurs aujourd'hui. Et enfin, la traçabilité, la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est un enjeu d'autant plus important aujourd'hui, ça a déjà été évoqué ce matin, qu'on va rentrer dans le sujet de l'affichage environnemental à assez court terme. Alors, sur la slide suivante, on arrive sur la partie plus méthodologique, je dirais. On a travaillé avec les entreprises et Fanny sur une méthodologie qui avait déjà été assez éprouvée, pas seulement dans notre secteur d'ailleurs, qui est la cartographie des enjeux. Donc pour ça, on est parti des résultats qu'on avait eus dans le cadre de l'étude qui avait été menée au préalable pour, je dirais, faire un peu une fiche d'identité de l'entreprise type dans le secteur de l'habillement pour voir un petit peu où se situent les enjeux. Donc pour ça, cette entreprise type, elle a des zones de sourcing qui peuvent être assez variées avec des zones plus à risque que d'autres. Cette entreprise, elle peut passer par des importateurs, donc on a des intermédiaires, donc ce qui rallonge encore la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, donc ce qui possiblement peut générer des risques. Et puis cette entreprise, elle a aussi du Made in France, elle a intégré dans ses matières des matières recyclées, ou à contrario, elle a des matières qui au niveau des apprêts peuvent être un peu plus critiquables. Donc de ce constat-là, on a pu faire un mapping et donc la cartographie de ces enjeux. Donc, si on passe, alors, donc, pardon, sur on revient sur la slide d'avant, toujours sur la partie cartographie. Donc, vous verrez quand vous irez voir le guide qui sera présent sur la plateforme Éco-conception Refashion, que vous l'apercevez là sur le slide. En fait, vous avez des zones plus rouges. Donc, vraiment, là, ce sont les zones d'alerte. Et ce sont les zones et les points d'action qui vont être activés le plus rapidement possible pour que finalement la marque soit la moins exposée, puisqu'on se rend bien compte aujourd'hui, et c'est un des enjeux, c'est qu'on attend de plus en plus de transparence, et en particulier sur la chaîne d'approvisionnement. Donc sur la slide suivante, on rentre un peu plus là dans les outils. Donc on l'a vu, la cartographie que je viens de vous montrer qui doit permettre à chacune des entreprises donc d'identifier ces enjeux et de prioriser pour nous amener donc à la deuxième étape qui va être de bâtir le plan d'action et de s'engager sur ces actions prioritaires. Donc on peut avoir des priorités donc à court terme, on les a vues sur les slides précédents, mais après
on regardera plus à moyen terme, puisqu'en fait, ne jamais oublier que on est dans une démarche de d'amélioration et de progression continue. Donc, on ne se contente pas de se, je dirais, protéger, entre guillemets, puisqu'on est exposé, mais il faut aller plus loin et de démontrer qu'on progresse tous les jours. Donc, pour les outils, là, on voit bien qu'on a un certain nombre de donc on est à l'étape 3, les outils qui vont nous permettre justement d'aller et de mettre en place le plan d'action. Donc, on a un questionnaire à adresser à ses fournisseurs. Alors, quand je dis fournisseurs, c'est bien sûr ses fournisseurs quand on est sur du travail à façon, donc avec ses façonniers. Ça peut être aussi ses fournisseurs de matières premières. Très important, parce que quand on travaille avec un façonnier, la sous-traitance, on voit bien ce qui se passe en prise directe, mais ce qu'on ne mesure pas souvent, c'est que le façonnier a lui-même des sous-traitants. Et là, on n'a absolument aucune visibilité. Donc, c'est important de savoir que qu'il a des sous-traitants. De la même façon, quand on a des prix de façon qui sont relativement bas, là aussi, ça doit alerter. Donc, on doit poser toutes ces questions. Ensuite, ce que certaines entreprises nous disent aujourd'hui, c'est qu'il est pas toujours facile d'obtenir des réponses à ces questions, et notamment sur des questions sur les matières premières. Alors c'est une réalité, mais j'ai envie de dire que plus vous serez nombreux finalement à demander des informations et à exiger ces informations, et plus vos fournisseurs prendront l'habitude aussi de répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas, il faut vraiment, c'est ce vers quoi il faut aller, d'autant que vous avez de plus en plus une nécessité d'être transparent et de tracer, en fait, votre chaîne de valeur. Ensuite, on a fait une cartographie, alors rapide, hein, c'est pas super approfondi, mais ça donne déjà un peu une petite idée des principales matières qui sont utilisées dans le secteur, avec les principaux enjeux. On voit bien que sur certaines matières, notamment la laine, on va se retrouver avec des sujets de bien-être animal, tels que le museling. Donc, il faut être vigilant à tous ces points. Donc, on vous a fait un point sur toutes les matières et tout ce qui peut être impactant, enfin environnement, droits sociaux, sur les principaux indicateurs qu'on a vus précédemment. Et à chaque fois, pour chacune de ces matières, là où il y a un problème, souvent il y a une alternative. Une alternative ou sur un autre matériau ou sur un label qui existe pour la matière en question. Voilà, donc ça vous donne un rapide panorama des labels qui peuvent exister sur ces différentes matières. Et enfin, on a la partie responsabiliser sa fabrication. Donc là, cette fois, on est sur des garanties qu'il faut obtenir sur les sites de production. Et là, on est souvent sur des certifications. Donc, on a vu tout à l'heure, on a entendu parler de B Corp. B Corp est une certification qui est très intéressante, alors qui n'est pas toujours fréquente, mais dans notre secteur, mais ça fait partie de ces certifications. Puis on en a vu d'autres, je ne reviendrai pas là-dessus. Enfin, la dernière étape, ce qu'on a vu dans ce guide, c'est comment on valorise justement ces engagements et le résultat de ces actions. Parce que on se rend bien compte que on a aussi une attente, mais alors il y a l'attente des consommateurs, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'en interne aussi, il peut y avoir des attentes. Alors là, une fois encore, c'est très très organisé. Et la communication ne sera pas la même en fonction de votre maturité, de l'état d'avancement de votre stratégie RSE. Quand on est aux prémices et quand on enclenche les choses, évidemment, il est trop tôt pour communiquer. Donc, vous voyez, il y a là encore, enfin, vous le verrez parce que je ne sais pas si à l'écran, c'est très visible. Là encore, il y a différentes étapes. Et on commence à communiquer, donc une fois qu'on est déjà bien avancé, qu'on a des choses à raconter, pas seulement sur ce qu'on a fait, mais sur ce qu'on va faire, ce qu'a très bien fait Decathlon tout à l'heure d'ailleurs, et ne jamais oublier dans cette communication ses collaborateurs, parce que nous, on est convaincus que ça reste quand même les principaux ambassadeurs, et à défaut d'être ambassadeurs de la stratégie RSE de l'entreprise, en tout cas, il faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus et qu'ils sachent
tout simplement ce qui se fait dans l'entreprise, dans la matière, et que souvent même ils y soient associés. Les fournisseurs, très important de communiquer aussi avec eux, et puis bien sûr le consommateur, et consommateur qui a encore beaucoup besoin d'être sensibilisé sur ces sujets. Il est de plus en plus en attente, mais néanmoins, il y a encore des marges de progression sur la maturité et les attentes vis-à-vis des marques. Voilà, donc communication interne, communication institutionnelle, et enfin communication marque produit. Alors, pour terminer, si on passe à la slide suivante, en fait, on est dans un secteur où vraiment on se rend compte que c'est la valeur de l'exemple qui fonctionne très bien. Donc, on a voulu montrer des exemples de marques qui communiquent très bien sur les différents sujets. Alors, certaines que vous connaissez certainement. Alors, bon, là, on en a Patagonia, je reviens pas dessus. Tout le monde connaît et c'est assez emblématique et c'est un des précurseurs. Mais on a des marques telles que Patine ou 1083. Qui sont extrêmement intéressantes à suivre et qui ont choisi chacune d'une façon un petit peu différente de communiquer sur ce qu'ils font. Ce qui est intéressant, par exemple, pour une marque comme Patine, c'est que, et ça on en voit de plus en plus, c'est ce que nous on appellerait peut-être des RSE natives, des marques qui se construisent sur un modèle RSE. Donc Patine, c'est vraiment, je sais pas, si tout le monde connaît, c'est une marque qui a démarré sur du t-shirt. En fait, c'est vraiment du work in progress et qui développe petit à petit une collection, mais qui ne sort son produit qu'une fois que la fondatrice estime que le produit est pour elle, en tout cas, vraiment éco-conçu, complètement green. Et donc, elle a démarré avec du t-shirt, et notamment avec du coton recyclé, du coton organique. Voilà. Donc, la valeur de l'exemple sur, vous verrez. Bon, après, je vais pas. C'est la McCartney, tout le monde connaît. C'est très orienté sur le bien-être animal. Voilà. Mais toutes ces marques sont très inspirantes et la communication est très intéressante. Alors, il y a une communication. Là, on l'a pas dans notre guide, mais je sais que la marque est présente sur cette matinée. Je voudrais quand même la citer parce que je trouve que la marque est là aussi très intéressante et bouge beaucoup en ce moment. C'est Balzac, qui a une communication très humble et finalement je pense que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est de se dire voilà ce qu'on fait bien, on n'est pas parfait, voilà quels sont nos axes d'amélioration, et qui communique au fur et à mesure avec finalement des témoignages et des témoignages de preuves de ce qui est fait au fil de l'eau. Et en tout cas pour ce qui nous concerne à la fédération, on trouve la démarche extrêmement intéressante et également à suivre. Voilà, donc je ne sais plus s'il reste une slide, voilà, donc bon, les prochaines étapes, on a mis en place nous pour des ateliers, bon, avec Fanny, justement Fanny Garcia, des ateliers pour aller plus loin avec certaines entreprises, celles qui souhaitent s'approprier la méthodologie de cartographie et construire leur plan d'action, et puis on espère continuer à travailler avec ReFashion et pouvoir le mettre à disposition alors pas cette année malheureusement, mais vraisemblablement l'année prochaine, notre prochain guide, donc qui est un outil qui sera assez identique à celui-là, en tout cas dans la méthodologie et dans la volonté de pédagogie et de sensibilisation des marques de mode, qui sera cette fois plus orienté éco-conception et éco-conception à travers les matières. J'ai vu que la question était posée tout à l'heure dans le chat sur une cartographie des matières avec leur impact. Alors quand on parle d'impact, c'est bien sûr culture, production, mais ça va jusqu'à la fin de vie, donc recyclabilité en passant par l'usage. Voilà, donc on a pour objectif de développer un guide là-dessus pour qui devrait sortir en 2021. Voilà pour ma partie. Un grand merci Adeline. Écoute, nous serons ravis d'héberger ce prochain guide si en plus tu nous vends qu'il est axé sur l'éco-conception, il n'y aura absolument aucune hésitation. Donc vous l'avez compris, le guide que vous a présenté Adeline, vous pouvez le retrouver sur la plateforme EcoDesign dans la page EcoVeille. Sans plus tarder, je vais accueillir Richard Rico,
de l'Union des industries textiles Sud. Et il va vous parler de ce que nous avons appelé les antisèches, en vous donnant un exemple exclusif. Ça va être l'antisèche matière sur la laine, qui n'existe pas encore, mais qui va prochainement être rédigé. Je n'en dis pas plus, Richard, je te passe la parole. Bonjour Adèle, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent à cette matinée éco-conception. Et je vais effectivement vous parler de cette fiche laine donc qui sera dans la partie anti-sèche matière de la plateforme EcoDesign. Je vais en préambule faire une petite présentation de l'UT Sud, hein, qui est l'Union des industries textiles Sud, où je suis le secrétaire général. Nous sommes la fédération qui représentons les industriels d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, et nous sommes membres de l'Union des industries textiles au niveau national. Alors, pourquoi avoir proposé une fiche laine, bien évidemment, à nos partenaires Refashion? Ben, tout simplement parce que la laine fait partie de l'histoire industrielle du textile français, notamment dans la région Occitanie et dans le nord de la France. C'est une matière que je qualifierais de noble et d'écologique. Et surtout, actuellement, de nombreuses réflexions sont en cours dans les territoires, on va dire en France et également sur les différents pays européens, pour mieux exploiter le potentiel des laines que j'appellerai locales. Donc, merci Adèle pour le slide. Donc, je vais maintenant vous présenter. Alors, nous allons retrouver dans ce slide 6 parties. Donc, vous voyez découpées dans les 6 paragraphes. Donc, les données clés, les propriétés de la fibre, l'impact environnemental, bien évidemment, de la production, le procédé de fabrication d'un fil, les différents labels et les caractéristiques que j'appellerais physique de la laine par rapport aux différentes races de moutons. Alors, les données clés pour donner un petit peu envie d'aller voir cette matière, bien évidemment, on va retrouver la production animale, les principaux pays producteurs, la production de laine française pour ceux qui seraient intéressés par des circuits courts. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même une laine avec une production qui n'est pas très importante, puisqu'elle représente 1% de la production de fibres mondiale, alors qu'on retrouve le polyester de mémoire à 70%, hein, donc c'est pour faire le parallèle par rapport à cette fibre, avec un grand pays producteur qui se trouve être l'Australie, avec 25% de la production. Et bien évidemment, nous détaillerons dans la fiche les autres pays producteurs avec bien évidemment leur classement. Ce qui est important effectivement pour le choix d'une fibre, bah, c'est ses propriétés, et on va définir de façon objective les propriétés de la laine avec ses caractéristiques. Donc on a dit que la laine est bien évidemment renouvelable, et c'est bien l'objet aujourd'hui de la matinée. Alors elle est renouvelable effectivement, chaque année le mouton doit être tendu pour produire sa laine. La laine est respirante, hygrorégulatrice. Donc nous verrons dans la fiche que la laine peut retenir 30% de son poids en eau sans paraître mouillée, et peut effectivement redonner cette eau sous forme de vapeur, ou capter cette eau sous forme de vapeur, ce qui lui confère un caractère régulateur. La laine est également antistatique, hein, puisqu'elle présente ce taux d'eau important, donc elle est antistatique, elle est non inflammable, donc elle fait partie des fibres, on va dire, naturelles qui sont ininflammables. Quand vous brûlez un morceau de laine, vous allez très vite vous apercevoir qu'il s'éteint, donc il est auto-extinguible, et qu'il donne un petit bout de carbone. Donc effectivement, la teneur en azote de la fibre ainsi que sa teneur en eau en font une fibre très intéressante pour des produits qui doivent être non-feu. La laine est bien évidemment biodégradable. Là où une fibre synthétique met 30 à 40 ans pour se dégrader, dans des bonnes conditions, la laine peut se dégrader en l'espace d'1 à 2 ans. Hein, donc nous détaillerons bien évidemment dans ce chapitre, vous voyez qu'on a mis 3 petits
point pour faire un peu de teasing, il y a effectivement d'autres propriétés très très intéressantes de cette fibre que nous exploiterons dans notre anti-sèche. Ensuite, sur les impacts environnementaux de la production de la fibre, nous avons bien évidemment identifié ce qui, à notre sens, sont les cinq impacts les plus importants de la fabrication, en tout cas de cette fibre, donc les gaz à effet de serre, l'occupation des sols, la consommation d'eau, l'épuisement des ressources et l'eutrophisation du milieu aqueux. Et donc, nous présenterons dans l'affiche tous les éléments dont il faut prendre en compte pour lorsque l'on fait un calcul d'impact d'un produit, être certain que les données sont les bonnes. Alors, si je prends un exemple, par exemple, sur l'occupation des sols, ben, il va falloir faire le choix entre plusieurs types de sols. Donc, est-ce que c'est un sol arable? Est-ce que c'est un sol qui n'est pas arable? Est-ce que est-ce que l'on prend des sols qui ont d'autres caractéristiques? Donc, tout ça, ça va être très intéressant à prendre en compte, puisqu'en fonction du type de sol choisi, ben, vous allez avoir un impact plus ou moins important quant à la production de la fibre. Nous aurons également dans cette petite partie un ensemble de recommandations portant sur les ACV des produits à base de laine. Comme l'a dit très bien la présentatrice précédente, il faut prendre en compte l'ensemble complet du cycle de vie du produit, de la production de la fibre jusqu'à la fin de vie du produit en prenant son usage, et on vous montrera dans cette fiche qu'en prenant tout ça en compte, un produit à base de laine se positionne très bien par rapport à des produits qui sont fabriqués à base d'autres fibres, principalement le coton et le polyester. Nous présenterons également donc le procédé de production de fil, en insistant principalement sur, on va dire, trois étapes, le carbonisage et les traitements spéciaux que l'on fait sur la laine, le lavage et bien évidemment les procédés de filature cardée et peignée. Donc nous montrerons que le lavage, le carbonisage sont effectivement des phases de production qui sont très impactantes d'un point de vue environnemental. Nous ferons également un focus sur les labels, donc ça viendra un petit peu en complément du document précédemment présenté, donc qui sera découpé en quatre parties, donc les labels qui respectent les normes sociales, les labels qui respectent bien évidemment le bien-être animal, et on sait que c'est très important par rapport à cette fibre qui est d'origine animale, des labels qui permettent de préserver l'environnement, et ceux qui limitent les substances toxiques et nocives. Et donc, je vous ai mis trois exemples de labels. Bien évidemment, ils ne sont pas monoparagraphes, puisqu'on voit par exemple que le label RWS peut se positionner en normes sociales et aussi en bien-être animal. GOTS, bien évidemment, sur la norme sociale. Et je vous ai également mis un label Organica sur la préservation de l'environnement. Bien évidemment, il y en a bien plus que trois, donc on vous les détaillera dans la fiche. Et bien évidemment, pour bien comprendre les caractéristiques de cette fibre, nous vous détaillerons les principales caractéristiques récentes de connaître et de prendre en compte lorsque l'on veut faire le choix d'un produit à base de laine. Donc nous parlerons de la finesse de la fibre, donc qui va être à l'origine bien évidemment de son prix sur le marché et également de sa capacité à faire un produit textile ou pas. Donc finesse que l'on donnera en micron, et nous préciserons en fonction des races différents exemples de micronage des fibres, et nous verrons que nous avons des fibres qui sont très fines, la mérinos de 18 à 22 microns, en allant vers des fibres qui sont moins fines si l'on parle de la lacone, avec des fibres qui peuvent aller vers 30 microns.
Bien évidemment, la caractéristique de la laine va être aussi donnée par sa longueur et par sa frisure, puisqu'en fonction de sa frisure, on va pouvoir orienter la production plutôt vers des produits qui ont besoin d'avoir du gonflant, par exemple des laines pour matelas, ou des laines qui n'ont pas du tout, enfin des laines pour le gonflant, ou des laines par exemple pour l'isolation thermique. Nous parlerons également, en fonction du type de race de la laine, du rendement, puisque en fonction de comment la laine est élevée, on va avoir des rendements lavage qui vont être plus ou moins importants. Hein. Par exemple, pour une race de type Mérinos, nous avons des rendements lavage de type 40-50%. Ça veut dire que pour 1 kg de laine brute, vous allez avoir 500 g de laine exploitable. Et si je prends, à contrario, un exemple de laine Lacone avec des rendements de 30%, c'est-à-dire que pour 1 kg de laine en soin, donc sale, vous allez récupérer uniquement 300 g de laine en propre. Donc voilà un petit peu ce que nous avons voulu mettre dans cette anti-sèche. Donc bien évidemment, là vous avez que les titres de chapitres et les titres de paragraphes. Nous serons bien évidemment beaucoup plus complets, avec beaucoup plus d'exemples, on va dire, opérationnels. Moi j'en profite en tout cas pour remercier Refashion donc pour cette démarche, parce que je pense que ça va fournir des outils très opérationnels aux marques. Donc, ils vont du coup être beaucoup plus responsables par rapport à leur choix de matière. Et bien évidemment, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions en fin de table ronde. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Richard, pour ton intervention. Il nous reste Fanny Garcia de BlueQuest. Qui va clôturer cette table ronde, ainsi que Clotilde qui reviendra vous parler de la suite de ce projet de plateforme éco-design. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Fanny. Fanny, je m'excuse, on ne t'entend pas, peut-être que ton micro est coupé. Est-ce que tu peux vérifier ? Voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Voilà, maintenant je suis là avec mon micro. Donc oui, j'ai des slides à passer et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on a accompagné la plateforme Refashion plus spécifiquement sur les fiches à vous de jouer, qui sont vraiment les fiches que toutes les personnes qui vont aller sur cette plateforme et qui vont vouloir se lancer dans une dynamique d'éco-conception vont prendre en main pour vraiment trouver les bonnes recettes, les bonnes méthodes. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet aussi, les bons outils pour concrètement et opérationnellement lancer les démarches. On peut passer au slide suivant où vous voyez un petit peu la page sur laquelle vous allez arriver dans la plateforme Eco-Design, sur le slide suivant, qui vous présente un peu la page de garde qui s'appelle « À vous de jouer ». Je vous laisse passer le slide si vous voulez bien. Voilà. Sur lesquels vous allez retrouver un ensemble de fiches plutôt conviviales, vous le voyez, avec une photo, un titre et des thématiques très spécifiques qui vont à la fois adresser, j'allais dire, différents types de produits parmi les TLC, donc les vêtements, les chaussures, le linge de maison, à la fois différentes thématiques d'éco-conception qui vont adresser des fonctions différentes de l'entreprise, mais aussi des niveaux de maturité plus spécifique. Donc sur le slide suivant, on vous a fait un petit mapping de ces fiches et puis on pourra peut-être un petit peu rentrer dans les détails pour que vous voyez un petit peu l'esprit et le contenu. Donc là, vous voyez l'ensemble des fiches à vous de jouer.
que vous allez trouver aujourd'hui sur la plateforme. Et bien évidemment, ces fiches vont se développer suite à vos questions, vos demandes, vos avis. Il y aura probablement en continu de nouvelles fiches qui vont apparaître. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ces fiches, elles quadrillent complètement l'ensemble des grands périmètres sur lesquels la démarche d'éco-conception s'applique. Donc, d'abord, la stratégie d'entreprise, très important. On va trouver deux fiches et notamment une fiche sur laquelle on a travaillé en particulier, qui est de définir une stratégie d'éco-conception qui est cohérente avec ma plateforme de marque. On l'a dit quand même à plusieurs reprises, l'éco-conception, c'est un sujet, ou en tout cas une méthode et une démarche environnementale parmi d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un certain nombre d'acteurs qui ont initié des démarches d'éco-efficience de leur site de production, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur entrepôt, mais sans vraiment passer à l'éco-conception, j'allais dire, pure et dure de leurs produits. Et d'autre part, on a des acteurs qui sont peut-être investis depuis plusieurs années sur des démarches sociales ou sociétales ambitieuses. Donc l'idée, c'est de se dire, quelle est ma marque, quelle est l'essence de ma marque, et en fonction de ça, qu'est-ce que je peux me fixer comme objectif environnementaux et comme objectif d'éco-conception cohérent avec mon programme de responsabilité sociale environnementale. Donc voilà le type de thématique qu'on va pouvoir traiter sur la partie très amont en stratégie d'entreprise ou en stratégie de marque. Et là, je le dis aussi pour les marketeurs qui sont autour de la table, on propose un travail qui est totalement aligné avec un travail de plateforme de marque que vous pourriez faire sur d'autres sujets ou sur d'autres qualificatifs ou objectifs associés à votre plateforme de marque. Ensuite, on a effectivement, vous le voyez, ce pilier un petit peu central, alors bien évidemment, qui touche, et c'est le nerf de la guerre, le développement des produits et donc l'éco-conception des produits. Comment j'intègre effectivement cette démarche d'éco-conception dans vos process existants de développement produit et d'industrialisation des produits, peut-être pour les marques un petit peu plus premium ou de luxe qui ont vraiment des équipes industrielles en place et bien structurées. Donc là, vous allez trouver tout un tas de fiches que vous voyez, donc 6 fiches différentes pour mener effectivement et initier ce travail d'éco-conception selon votre niveau de maturité et selon les produits que vous avez en gamme. Donc le premier, par exemple, me semble tout à fait important, notamment pour des marques qui voudraient démarrer, qui ne se sont pas encore lancées dans l'éco-conception. C'est aussi une fiche qu'on a retravaillée. Je vous dirai après dans quelle logique et avec quel objectif. Une fiche qui s'appelle « Cadrer la démarche d'éco-conception des produits ». Voilà, c'est une fiche qui s'adresse à des entreprises qui démarrent à peine dans une logique d'éco-conception. Et vraiment, quand on dit « cadrer », ça veut dire quel produit je dois concevoir en priorité, avec quelle ambition et comment je fais pour le faire. Et donc là, on vous donne des petits trucs. Par exemple, si vous débutez, peut-être essayer de travailler premièrement sur un produit iconique. Ça va être un super outil de communication en interne auprès de vos collaborateurs et après auprès de vos clients. Ou sur un essentiel, ou sur un reconduit, parce qu'effectivement, si vous faites un lourd travail d'éco-conception pour démarrer sur un produit qui a vocation à rester dans votre collection pendant 6 mois, c'est un peu dommage, parce que vous allez peut-être perdre une partie importante de votre retour d'expérience, ou en tout cas, vous aurez plus de difficultés à le réinjecter dans vos collections. Donc, on vous donne comme ça des petits trucs et une démarche assez cadrée pour initier ce travail d'éco-conception, et surtout, pour vous donner les meilleures chances d'en faire un succès, parce que c'est aussi ça qui ensuite va inspirer l'industrialisation d'une démarche un petit peu plus large. Ensuite, on évoque deux pavés en amont et en aval de ce travail d'éco-conception, j'allais dire produit à part entière. En amont, et ça c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, on a travaillé pratiquement sur l'ensemble des fiches qui sont dans cette section. Donc tout ce qui est la relation aux achats d'éco-produits, donc comment je fais effectivement pour acheter des produits qui ont une meilleure empreinte environnementale, par exemple comment je fais pour bâtir une stratégie d'éco-matière, comment je fais pour définir aussi l'intégration de matières recyclées dans mon pool de matières et par quelle matière je dois commencer. Donc ça, c'est 2 fiches que vous allez trouver aussi sur la plateforme dans la section à vous de jouer. Et puis quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est vraiment de recréer du lien avec les fournisseurs sur les sujets d'éco-efficience. C'est-à-dire que finalement, améliorer l'empreinte d'un produit, c'est l'éco-concevoir, c'est aller chercher des produits ou des composants qui sont éco-conçus, mais c'est aussi travailler sur les sites, travailler sur les flux. Donc là, on a 2 fiches à vous proposer pour réduire les impacts environnementaux, notamment lors de l'ennoblissement des textiles et des cuirs.
Et là encore, on vous propose à la fois un jeu de méthodes, d'outils, de labels qui sont pertinents et auxquels vous pouvez vous arrimer pour lancer votre travail ou pour élargir le travail que vous avez déjà mené. En aval, on en a parlé aussi, je pense que beaucoup ont conscience, alors peut-être un peu moins que sur l'amont, mais on a effectivement une grosse partie des textiles, enfin en tout cas une grosse partie des impacts interviennent plutôt sur la partie aval. Donc on a travaillé un sujet qui est, je crois, enfin en tout cas nous c'est un sujet sur lequel on est beaucoup questionné. Voilà, un sujet sur lequel veulent travailler beaucoup de marques, hein, qui est aussi un sujet depuis peu réglementaire, c'est la partie des invendus. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de vous conseiller et de vous donner le plus de recettes possible pour pouvoir, j'allais dire, revaloriser vos invendus, mais surtout, j'y tiens parce que ça, c'était aussi notre patte. En amont de ça, comment on fait effectivement pour diminuer les invendus. Aujourd'hui, on a des solutions qui existent sur le marché, qui sont en train de se développer, qui sont souvent portées par des entreprises avec des business models un petit peu innovants, mais pour avoir de la production vraiment à la demande, avec des circuits beaucoup plus courts, et pour pouvoir limiter in fine les invendus. Parce que bien évidemment, l'éco-responsabilité, c'est pas d'avoir, j'allais dire, des millions d'invendus et de se poser la question après coup de ce qu'on fait, mais vraiment de pouvoir calibrer et réduire les invendus autant que possible. Dernier, alors je suis désolée, hein, je vous fais un petit aperçu comme ça, on va pas passer toutes les fiches là, vous aurez bientôt l'occasion de toutes pouvoir les lire sur la plateforme, mais dernière étape qui est importante, c'est la mobilisation des parties prenantes dans votre démarche d'éco-conception, puisque c'est des démarches qui vont, j'allais dire, reposer sur des publics assez hétérogènes au sein de votre entreprise, les différentes fonctions qui peuvent aller du marketing, du design, pourquoi pas même de la finance, on a parlé de ROI, de ces démarches d'éco-conception, mais je pense que c'est important de les suivre, mais qui vont aussi reposer, alors sur les achats aussi, mais qui vont reposer sur les partenaires en amont. Donc on a aussi travaillé une fiche que vous voyez s'afficher tout à fait en bas à gauche, comment impliquer ses fournisseurs dans une démarche éco-conception, pour savoir quel partenaire impliquer en priorité, qu'est-ce qu'on peut leur demander, et vous fournir aussi des outils de pilotage de ces demandes auprès des fournisseurs. Des fiches pour impliquer les parties prenantes, comment convaincre en interne, comment former sur ces sujets. Et puis, bien évidemment, on retrouve un peu notre triptyque, hein, développement produit, et puis en amont les achats, en aval les clients, comment accompagner le consommateur pour faire aussi en sorte que le respect du produit, son entretien, on puisse le respecter et assurer que on réduit au maximum les impacts à l'utilisation et qu'on allonge si possible la durée de vie du produit. Voilà pour cette vision un peu globale des thématiques que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme. Donc maintenant, c'est le dernier slide que je voulais vous présenter pour, j'espère aussi, vous donner envie très vite d'aller sur la plateforme, d'aller ouvrir ces fiches et d'aller vous lancer dans la démarche, dans quelle logique on a travaillé. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire de manière globale, c'est que nous, en tout cas, BlueQuest, on a travaillé sur les fiches et sur les sujets qu'on avait effectivement déjà mis en œuvre avec des marques textiles. On travaille avec tout secteur d'activité, mais on travaille beaucoup avec le secteur des TLC. Et on a travaillé avec tout niveau de gamme et tout type d'entreprise. Des toutes petites, de 4 ou 5, qui sont plutôt des pépites, et notamment dans l'accompagnement qu'on fait avec la Fédération du prêt-à-porter. Des très grandes, et parmi elles, des grands acteurs du mass market, mais aussi des grands acteurs du luxe. Donc ce que nous, on a essayé de faire, c'est de mettre finalement sur le papier, en tout cas sur les pages web de la plateforme EcoDesign, nos recettes, nos méthodes et les outils que nous, on utilise pour que vous puissiez vous transformer, j'allais dire, en consultant interne. Donc la première chose, trois choses à vous dire hyper importantes qui, j'espère, finiront de vous convaincre, c'est que ces fiches, en fait, elles sont vraiment accessibles à toute entreprise qui veut se lancer dans l'éco-conception. D'abord, quand vous allez les ouvrir, vous allez vous rendre compte qu'on est resté, et c'est vraiment la commande d'EcoTLC, de refashion, pardon, maintenant, on est resté sur un format hyper synthétique. Globalement, on est sur une grande page Word, donc j'allais dire une bonne page web, donc c'est pas du scrolling de 10-15 pages, donc quelque chose de très synthétique pour que vous puissiez prendre rapidement en main ces sujets. On a toujours une petite introduction qui pose le sujet, on a toujours une référence aux acteurs qui doivent être mobilisés, et puis on a un discours, et ça j'insiste là-dessus, qui se veut pédagogique. On va essayer de vous donner
donner bah, pas trop d'acronymes, ou quand on en donne, de vous les définir. On va adopter un discours qui est facile, même pour des personnes qui ne sont jamais lancées dans l'éco-conception, voire qui n'ont jamais travaillé sur l'éco-responsabilité textile, voire qui ne sont pas du tout, j'allais dire, familières avec les RSE au sens large. Voilà. Ce qui est aussi important de vous dire, c'est que vous êtes guidés. C'est-à-dire que chacune des fiches que j'ai mentionnées, elles sont rédigées sous la forme d'approches en, on va dire, une dizaine d'étapes. Chaque étape est un peu indépendante et vous pouvez mener progressivement chacune des étapes. Donc vraiment, on vous prend par la main et donc chacun peut vraiment passer par ces étapes. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ceux qui se sentent plus à l'aise n'ont rien à faire sur ces fiches-là. On a toujours donné sur ces fiches à la fois une vision qui me semble très méthodo, donc ça permet de challenger ceux qui ont déjà fait des choses, voir si effectivement ils ont pensé à tout et s'il n'y a pas un angle mort dans leur démarche sur lequel ils pourraient travailler et s'améliorer. Mais surtout, à travers ces 10 étapes, ce qu'on a essayé de faire systématiquement, c'est donner de la profondeur de champ, de vous dire, bah voilà, quand vous êtes arrivé à l'étape 8, 9, 10, déjà, vous êtes bien musclé sur ces sujets. Donc ça vaut la peine à des entreprises qui sont, j'allais dire, déjà en action, d'aller regarder ces fiches et de, voilà, de se tester. C'est aussi un outil, je pense, pour se tester. Deuxième point qui est hyper important pour nous parce que c'est vraiment notre credo, c'est des fiches qui sont pragmatiques et opérationnelles. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'on vous livre, c'est pas quelque chose qui est purement sorti de notre cerveau. On a bien évidemment mis au sein de BlueQuest à contribution l'ensemble de nos experts qui sont mobilisés dans le cluster textile, donc des gens qui ont à la fois, j'allais dire, la compétence textile et la compétence RSE sociale environnementale, mais surtout pour nous c'est presque des REX de mission, donc c'est des choses qu'on a mis en place et dont on sait que ça marche. Donc c'est des méthodes éprouvées. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on a essayé de vous livrer des méthodes qui sont recentrées autour des essentiels. C'est-à-dire que peut-être que des fois, on a fait des impasses, c'est peut-être subjectif et que vous n'allez pas trouver toutes les réponses à vos questions. Mais typiquement, nous, on considère que vous avez en main les sujets clés pour travailler sur ces sujets et que vraiment l'essentiel est là. Et que si vous vous en tenez à ce qui est dans les fiches, vous allez vraiment déjà faire des pas de géant. Et puis, dernier point, on vous a aussi donné des indicateurs de mesure pour que vous puissiez en interne, j'allais dire, évaluer, communiquer et mesurer à la fois votre avancement et la performance de votre démarche. De même, on vous a aussi donné quelques indicateurs pour mesurer le ROI sur les différentes fiches qu'on a vues ensemble. Dernier point, et ce sera ma conclusion avant le dernier slide de remerciement, on a essayé de faire en sorte que ces fiches, et c'est ce qui nous tient à cœur vraiment, elles soient, j'appelle ça, tourner vers l'action. C'est-à-dire que ben voilà, quand vous ouvrez une fiche, vous savez à côté de qui vous devez vous asseoir pour la lire et pour en discuter, parce que ça va être votre collègue ou la fonction clé que vous devez mobiliser sur les sujets qu'on a traités. Deuxièmement, on vous donne des liens vers des outils et des outils pour supporter la mise en œuvre. Donc par exemple, quand on parle de, j'allais dire, stratégie matière, on vous donne voilà, une double page avec les différentes matières que vous utilisez, les enjeux et les différents labels qui vont en face. Quand on vous parle de mobilisation des fournisseurs sur les coefficients, vous allez avoir un outil qui vous donne effectivement, qui est pour le coup un rapport assez long, mais assez complet, qui vous donne finalement, selon le niveau de maturité de vos fournisseurs, les différents sujets que vous devez discuter avec lui et comment on mesure leur niveau de performance. Vous avez une fiche sur voilà qu'est-ce qu'on doit demander aux fournisseurs qui sont en charge de l'anoblissement, quels sont les critères, j'allais dire, de performance en matière environnementale. Donc, c'est des outils qui sont, j'allais dire, clairement identifiés avec des liens que vous n'avez pas à aller chercher à droite, à gauche. Et on en a 3-4 par fiche. Donc, ça reste aussi assez ciblé et facile à prendre en main. Et puis, dernier point, on vous propose aussi quelques points de vigilance. Voilà, parce qu'on sait que sur certains sujets, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des points durs. Donc, on a vraiment essayé sur ces sujets-là, en itération avec Adèle, de vous livrer les points de vigilance sur lesquels vous devrez effectivement être très attentif quand vous menez ce type de démarche pour garantir aussi le succès de la mise en œuvre. Voilà, enfin, vous pouvez mettre le dernier slide si vous voulez, mais c'était juste un slide de remerciement. On est à votre dispo, mais je pense que voilà, c'est surtout les fiches qui vous aideront à mettre en œuvre ces démarches-là et dans lesquelles vous allez retrouver un petit peu nos méthodes et nos manières de travailler sur l'éco-conception des TLC. Un grand merci, Fanny, pour ton intervention.
Donc, je tiens à redire que l'ensemble des contenus qui vous ont été présentés au sein de cette table ronde, donc c'est-à-dire la fiche anti-sèche matière sur la laine qui va être rédigée avec l'UIT, ainsi que le guide présenté par Aline D'Argent de la Fédération française du prêt-à-porter, et toutes les fiches dont Fanny vous a parlé, tous ces contenus sont disponibles sur la plateforme EcoDesign dès aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Fanny, je te remercie de ton intervention. J'espère que tu as, et je pense que tu as bien vendu ces fiches que vous avez révisées de manière très qualitative. Nous avons fait un premier travail avec l'association Auré, avec des ateliers auprès des marques pour pragmatiser et rendre ces fiches tout à fait opérationnel, et je pense que votre travail a été une réelle plus-value pour ces fiches. Donc ça a été fait dans une réelle démarche de co-construction. Et donc merci à toutes les parties prenantes qui nous ont aidées dans le développement de cette plateforme. Je remets très rapidement, parce que nous sommes en retard, la parole à Clotilde qui va conclure la table ronde pour nous parler de la suite. Merci beaucoup Adèle. Effectivement, je vais être très rapide. Je pense que les intervenants, les différentes interventions vous ont donné envie d'aller sur cette plateforme. En tout cas, je l'espère. Vous avez compris que ça fait des mois et des mois qu'on y travaille. Maintenant, on a un seul objectif, c'est de faire connaître ce sujet pour qu'il percole dans tous les sens, le faire vivre et favoriser la mise en œuvre de démarches d'éco-conception chez les metteurs en marché. Pour ça, c'est à toute une animation qui aura donc cet objectif, celui de faire en sorte que les metteurs en marché s'approprient l'outil, qu'ils l'utilisent comme une opportunité pour échanger en interne, mais aussi que ça génère des collaborations entre les entreprises, parce qu'on le sait bien, les marques ne sont pas capables, enfin aucun metteur en marché n'est capable aujourd'hui de se transformer seul, et les coopérations, les collaborations sont indispensables pour ces démarches d'éco-conception. Et on espère aussi créer un sentiment d'appartenance à une communauté de metteurs en marché qui s'engagent. Voilà, donc on vous en dira plus très rapidement, simplement pour vous dire qu'on va vous inviter à des rendez-vous qui vont être mensuels sur cette éco-conception. Et pour conclure, n'hésitez pas à nous faire remonter vos envies, vos besoins pour qu'on mette en œuvre cette phase. Voilà, je n'insiste pas plus, mais bonne fin de matinée et lancez-vous. Merci Clotilde. Je conclue donc cette table ronde de présentation de la plateforme EcoDesign. N'hésitez pas à vous inscrire dessus si vous n'en savez toujours pas assez, si vous avez envie de lire les fameux contenus dont on vous a parlé. Consultez la vidéo de présentation de la plateforme, et sans plus tarder je passe au point d'actualité sur l'affichage environnemental des textiles et des chaussures. Donc on a le plaisir de retrouver Erwan Autret de l'ADEME qui va nous faire ce point d'actualité. Je te passe la parole Erwan. Très bien, merci Adèle et rebonjour à toutes et à tous. Le sujet d'actualité pourra également, je pense, faire l'objet d'une fiche sur la plateforme EcoDesign dans les prochains jours. Dans le sommaire que je vous propose, diapositive suivante, c'est finalement répondre à un certain nombre de questions importantes qui nous remontent. Donc, d'où vient l'affichage environnemental, c'est quoi? Où en sommes-nous? Que dit la loi? À qui s'adresse l'expérimentation affichage environnemental textile? Comment faire? Quel est le socle technique? On a entendu parler de groupes de travail, des GT qui se mettent en place. Comment on y participe? Je voudrais aussi en profiter pour vous faire part d'un certain nombre de nouveautés, et c'est l'objet des focus en fin de présentation. Je ne peux pas parler d'affichage environnemental sans évoquer également le projet européen, le projet PEF, en vous le décrivant rapidement et puis surtout en insistant entre les points communs et les différences avec le dispositif français.
Alors, c'est une présentation côté ADEME, mais je dirais que l'affichage environnemental, c'est d'abord et surtout aussi les metteurs en marché et des pilotes qui ont travaillé sur ce sujet, donc qui pourront aussi répondre aux questions que vous vous posez. Donc, par exemple, Decathlon, Tissage de Charlieu, OKID, ID Kids, qui ont vraiment participé à cette démarche. Bonobo, qui est en train de le mettre en œuvre également. Je ne sais pas s'ils sont présents, mais voilà, je les invite à contribuer aussi à cette présentation. Alors, je vais commencer tout de suite par l'affichage environnemental, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement une note A, B, C, D ou E qui est affichée sur les produits ou services. Donc ça, c'est le cadre général, hein, pas spécifique au secteur textile. C'est une note qui est visible en rayonnage ou sur Internet et qui est calculée, c'est ce qui est important, sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service et suivant un référentiel qui est validé. Vous avez ici les pictos de la charte graphique qui est une charte graphique déposée. Donc c'est un repère simple pour les consommateurs et c'est aussi un dispositif volontaire, volontaire de la part des marques et ça informe les consommateurs sur les impacts environnementaux, je l'ai dit, qui sont engagés dans une démarche d'achat responsable. Et puis c'est aussi un double outil pour nous parce que ça incite les fabricants et les distributeurs via ce calcul de notes à améliorer la performance environnementale des produits, de faire de l'éco-conception et de s'engager dans cette démarche de production durable. Alors maintenant, pour vous dire où en sommes-nous aujourd'hui, quelles sont les étapes aujourd'hui franchies, c'est important et la diapositive suivante le montre, tout le chemin qui a déjà été parcouru. C'est important parce que ça donne du sens à la démarche d'aujourd'hui et puis ça renforce aussi l'intérêt qu'on peut porter au sujet. Ça démarre en 2009 avec le Grenelle de l'environnement qui va lancer les premières expérimentations sur la base d'un socle technique qui est partagé entre les acteurs. Et puis le textile et les chaussures font déjà partie de ces premières expérimentations. En 2015, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, avec un article 90, parle d'information environnementale, parle de justification et dit que les producteurs qui réalisent volontairement une communication environnementale doivent mettre à disposition les principales caractéristiques environnementales de ces produits. Donc on est vraiment déjà dans l'esprit d'une démarche d'affichage environnemental sur la base du volontariat. En 2013, au niveau européen, se met également en place la démarche du PEF, donc on va y revenir, mais c'est le Product Environmental Footprint, une méthode qui est également mise à disposition et développée par la Commission européenne, avec une phase pilote qui démarre en 2013 jusqu'à 2018, et notamment il y a un PEF T-shirt qui va être élaboré. Et aujourd'hui, on est dans une phase de transition sur le PEF avec depuis 2019 un groupe, et je vais y revenir tout à l'heure, qui travaille sur l'ensemble de la filière textile et chaussures. Alors, ça progresse. En 2018, le sujet est de nouveau à l'ordre du jour. C'est l'affichage environnemental fait partie des 50 mesures de la feuille de route économie circulaire, hein, qui dit déployer l'affichage environnemental volontaire dans les secteurs pilotes, donc les textiles. Et puis la loi AGEC de cette année qui mentionne clairement le dispositif affichage environnemental et on voit qu'il y a une évolution là parce que on a bien sûr le langage dispositif volontaire, mais pour la première fois, et on le voit dans la définition suivante, dans le petit paragraphe que dit la loi, qu'on commence à parler d'obligation ou de décret. Donc là, il y a une transition sémantique qui est en train d'intervenir qui est vraiment intéressante. Alors je vous redis très rapidement dans la diapositive suivante, ce qui est écrit dans la loi, c'est à l'article 15, donc je vous invite à y aller. Ça instaure officiellement un dispositif d'affichage environnemental. Alors, affichage environnemental ou environnemental et social. Ça officialise ce dispositif qui est volontaire, avec une expérimentation de 18 mois qui est lancée, donc de février 2020 à août 2021. Et puis ça dit aussi que ce sera suivi d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique. Et ensuite, sur la base de ce bilan, un décret qui définira la méthodologie et les modalités d'affichage seront publiées. Donc on est encore dans le volontaire, et puis il y a un petit paragraphe un petit peu plus loin qui mentionne le dispositif sera rendu obligatoire
prioritairement pour le secteur du textile d'habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits, enfin, blablabla, à une condition après l'entrée en vigueur d'une disposition adaptée par l'Union européenne poursuivant le même objectif. Donc, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Ça donne par contre du sens et ça donne surtout un intérêt à travailler à la fois sur l'affichage environnemental français et une synergie avec le dispositif qui est en train de se mettre en œuvre au niveau européen. Alors, je reste sur l'expérimentation française pour rentrer un peu plus dans le détail et vous dire à qui s'adresse l'expérimentation. Donc, dans la slide suivante, on précise tout simplement que ça s'adresse à toutes les entreprises volontaires. Il n'y a pas de critère de taille, il n'y a pas de critère de segment de marché, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, toutes les entreprises qui souhaitent mettre cet affichage environnemental sur les produits et services mis sur le marché. Bien sûr, il y a le secteur textile, habillement, chaussures qui est ciblé, et depuis le début, hein, vous voyez bien avec la frise chronologique que j'ai présentée tout à l'heure, mais l'ensemble des secteurs peuvent bien sûr y participer. L'objectif, il est simple, c'est que le maximum d'entreprises aujourd'hui s'engagent avec un même référentiel. On a des pionniers qui se sont engagés, on a trois entreprises qui le font, bientôt quatre, mais ça n'a de sens que si un nombre important d'entreprises s'engagent avec ce référentiel partagé. Le bénéfice, il va être pour le consommateur, pour pouvoir avoir des notes qui sont comparables d'une marque à l'autre. Donc, pour nous, se lancer aujourd'hui dans l'affichage environnemental, c'est aussi monter en compétence, se démarquer de ses concurrents en améliorant la performance environnementale de ses produits et services dans un contexte post-crise sanitaire lié au Covid-19. C'est d'être prêt si le dispositif devient un jour obligatoire au niveau européen. Et puis, c'est surtout répondre à la demande des consommateurs en créant du lien et en étant transparent sur la production des produits et services. Alors, j'ai envie de rentrer maintenant dans la question comment faire, d'une façon pratico-pratique, quelles sont les étapes pour une entreprise qui souhaite déployer l'affichage environnemental. On a ici un peu la pyramide ou le cheminement pour aller jusqu'à la communication aux consommateurs. On a formalisé 7 étapes qui correspondent à des états vraiment différents. La première, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, je vous en parle, il y a des informations sur Internet, il y a Refashion qui peut aussi vous accompagner, il y a des renseignements à prendre. Donc ça, c'est l'étape de sensibilisation sur le cycle de vie, sur l'éco-conception, sur la communication environnementale. C'est le premier niveau et c'est l'entreprise qui fait cette démarche. La deuxième étape est plus engageante. On l'a formalisé sous le nom engagement, c'est l'ensemble des fonctions de l'entreprise concernées se mobilisent, s'organisent, choisissent les outils pour vraiment être en capacité de démarrer un projet d'affichage environnemental. La troisième étape, où on rentre là dans le vif du sujet, avec la collecte de données spécifiques à chaque produit ou chaque famille de produits qui a été choisi pour faire partie du périmètre de l'affichage environnemental. Donc, c'est la collecte de données auprès notamment de fournisseurs. Et puis, ça permet d'aller à l'étape qui est 4, qui est de faire cette évaluation environnementale. À partir des outils, il va être possible et des bases de données, il va être possible de calculer les indicateurs d'impact environnementaux. Ceux pour le textile aujourd'hui sont l'eutrophisation et le CO2. Une fois que vous avez ces indicateurs d'impact, il y a une conversion en notes ABCDE avec une méthode qui est proposée avec comment on convertit des notes d'indicateurs via des échelles et des valeurs de référence sur un échantillon. Donc ça concerne le passage de valeurs numériques à notes ABCDE. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce calcul en interne dans l'entreprise avec éventuellement l'accompagnement d'un bureau d'études, il y a un passage de vérification. Et là, vous voyez ADEME DSP pour délégation de services publics. On a, et je vais revenir tout à l'heure dans la présentation, on a retenu cet été des délégataires qui agissent pour le compte de l'ADEME pour faire cette vérification des notes, de la sincérité des notes et la validation des outils de calcul. Donc ça vous permet, une fois que vous avez vos notes validées, d'aller ensuite utiliser la marque déposée affichage environnemental et de communiquer auprès des consommateurs.
Un processus un petit peu, enfin, qui est formalisé là sur ce slide et qui peut bénéficier des subventions ADEME. On entend souvent oui, mais ça coûte cher. Effectivement, c'est un investissement et l'ADEME est là aussi pour vous accompagner dans cet investissement, dans la mesure où ça c'est intégré à un projet d'éco-conception. On a beaucoup parlé d'éco-conception là ce matin. Pour nous, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, l'éco-conception, ça passe par de l'évaluation environnementale, par de la communication environnementale. Donc, on pourra vous accompagner dans l'évolution d'un produit, passer d'une V1 non éco-conçue à une V2 éco-conçue avec un affichage de notes. Et vous pourrez bénéficier d'une subvention pour mener à bien votre projet. Donc j'en arrive aujourd'hui, j'en arrive là de la présentation à un mot sur le socle technique pour la collecte des données et les calculs environnementaux. Alors c'est un socle technique qui est valable pour l'ensemble des produits concernés par l'affichage environnemental, dont les textiles. Donc ça repose d'abord sur des principes généraux et un cadre méthodologique, ce fameux référentiel à l'acronyme un peu barbare BPX30323. Également une base de données, la base de données Impact, qui est gérée, enfin développée et gérée par l'ADEME pour le programme français d'affichage environnemental. Donc c'est à ce jour plus de 5 millions d'euros hein, qui ont été consacrés sur fonds publics pour développer cette base de données, qui est accessible gratuitement par l'ensemble des usagers de l'affichage. C'est aussi des référentiels sectoriels, donc vous avez ici les références du référentiel article d'habillement, des outils de calcul pour faire tourner les modèles avec les connectés aux bases de données, donc par exemple Decathlon a un outil interne, Cycleco a développé Spinit ou Code Bureau Veritas a développé l'outil EIME. Et puis, les indicateurs d'impact qui sont pris en compte pour le textile, et je les ai déjà mentionnés, sont les émissions de gaz à effet de serre pour le changement climatique et l'eutrophisation pour la pollution de l'eau. Donc, j'insiste, hein, tous ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Base Impact de l'ADEME. Donc ça c'est le socle technique. Maintenant, pour passer à la démarche, il y a tout ce travail d'animation et de fonctionnement en mode collectif qui est vraiment très important et ne pas rester tout seul. Donc Refashion est là pour vous accompagner et dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi avec le ministère de l'écologie, on a souhaité mettre en place trois groupes de travail que je vais vous évoquer. Le premier c'est évolution des référentiels donc, qui font partie du socle technique, hein, évolution des référentiels habillement et groupe miroir français du projet européen PEF Apparel. Ça, c'est un groupe de travail qui s'adresse à toutes les entreprises qui sont engagées. Donc, par rapport à la pyramide, c'est les étapes 2 et suivantes, avec un premier webinaire d'information qui a eu lieu le 29 juin dernier. Donc, je vais y revenir dans les diapositives ensuite. Je voudrais évoquer également un deuxième groupe de travail. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bureaux d'études là ce matin qui participent à la matinée, mais il y a un vrai travail à faire pour accompagner les entreprises. Donc, ce GT s'adresse à tous les BE avec un webinaire qui a eu lieu le 30 juin dernier. L'objectif, c'est de pouvoir structurer une offre d'accompagnement aux entreprises qui souhaitent passer de la sensibilisation à l'engagement et pour les accompagner sur chacune de ces différentes étapes. Donc là, le groupe de travail qui, suite au webinaire d'information du 30 juin, les prochaines étapes, ça va être de formaliser cette liste de bureaux d'études engagés et prêts à proposer une offre aux entreprises du secteur textile et chaussures, et puis surtout de pouvoir ensemble proposer une offre générique minimum commune pour accompagner les entreprises. Chaque BE va ensuite se différencier, mais au moins, côté entreprise, si vous sollicitez un BE qui sera membre de ce groupe de travail, vous pouvez vous attendre à un accompagnement générique minimum. Et puis enfin, le troisième GT qui n'est pas encore créé, mais qui sera créé plutôt début 2021, s'adresse aux développeurs d'applications. Donc, il est intitulé « Applications information consommateurs ». Cet affichage environnemental, finalement, il va générer beaucoup de données. Il va générer plein de notes ABCDE. Il va générer des indicateurs d'impact CO2, eutrophisation.
Enfin, j'ouvre une parenthèse, mais la Conférence citoyenne pour le climat réclame un affichage CO2 sur les produits de consommation. Donc là, ça répond directement à une attente et qui peut le plus, peut le moins. Donc l'affichage environnemental permet déjà de faire cette communication. Donc là, l'idée, c'est de rassembler tous les développeurs d'applications autour de la création d'une base de données ouverte avec ses notes ABCDE et ses indicateurs d'impact. Donc, je vais faire juste un focus, mais ça me semble vraiment important là dans le cadre de cette matinée sur le premier GT de cette slide qui est sur l'évolution des référentiels et le groupe miroir français du projet européen PEF Apparel. Pour vous dire que dans ce groupe de travail, il y a deux sujets. Le premier, c'est de créer une synergie avec le projet PEF Apparel. On a besoin au niveau français, d'être plus visible, on a besoin d'agir en mode collectif, on a besoin d'exprimer la diversité des acteurs français, de la PME au grand groupe, de la grande distribution au secteur du luxe, on a besoin d'avoir toute cette diversité pour que le projet européen soit nourri et soit riche et représentatif de l'ensemble des produits pour qu'ils soient pris en compte dans les modélisations. On a besoin aussi de prendre en compte des sujets qui n'ont jusqu'à présent pas été abordés, comme la durabilité des produits. Qu'est-ce qu'un critère de durabilité? Quels sont les critères? Quelles sont les valeurs qu'on met? Et donc tous ces sujets techniques seront abordés dans le cadre du GT Groupe Miroir. Il y a un deuxième sujet technique qui concerne les entreprises engagées dans l'affichage environnemental français. Une fois que vous avez fait vos calculs d'indicateurs CO2 et eutrophisation, il s'agit de les convertir en notes ABCDE. Et donc, il faut à tout prix éviter que chaque entreprise, chaque marque ait sa propre échelle de notation. L'objectif, c'est vraiment la comparabilité entre marques. Et donc, on rassemble dans ce GT aussi toutes les entreprises engagées dans l'affichage environnemental français pour définir les produits représentatifs des marchés et définir ces échelles communes. Comme ça, ce sera une seule échelle par catégorie de produits, quelle que soit la marque. Donc ça, c'est un travail qui maintenant est possible, vu qu'il y a plusieurs marques engagées et prêtes à déployer l'affichage environnemental français. Les modalités pour participer à ce groupe de travail, donc c'est très simple. C'est la diapositive suivante. On s'est renforcé cet été avec l'assistance du bureau d'études RDC Environnement pour animer et coordonner ce GT. Donc, il va être opérationnel dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez commencer à entendre parler du groupe de travail via RDC Environnement. On reste sur une participation sur la base du volontariat. On a déjà, depuis février dernier, hein, depuis le début de l'expérimentation, collecté un nombre important d'entreprises qui manifestent un intérêt pour l'expérimentation et ce groupe de travail. On a aujourd'hui une base de données de plus de 100 contacts. Donc ça va être, dans un premier temps, avec RDC Environnement, essayer de qualifier la contribution possible à ces travaux, qui sont des contributions techniques. Et donc, il va y avoir, dans les prochains jours, un appel aux entreprises qui nous ont manifesté un intérêt de se positionner par rapport à la contribution possible à ces travaux. Ce groupe de travail, il va durer jusqu'à la fin du projet PEF. C'est important aussi. L'expérimentation, elle va se terminer en août 2021. Donc, dans un an, c'est fini. Mais on voit bien que le sujet affichage est installé et là pour durer. L'échéance du projet PEF, c'est fin 2022. Donc, il s'agit vraiment d'éviter la rupture. Et donc, le travail de RDC Environnement sera jusqu'à fin 2022. Et puis, face à ces. On a plus de 100 contacts aujourd'hui. On a souhaité aussi mettre une gouvernance adaptée pour favoriser les échanges d'informations. Et donc la gouvernance de ce groupe de travail est représentée par l'ADEME, ministère de l'écologie, entreprise engagée dans l'affichage environnemental français, donc Decathlon, Idikids, Laetitiage de Charlieu et Bonobo, ainsi que les membres français du projet PEF que je vais présenter ensuite et qui sont Decathlon, Refashion et la Fédération de la haute couture et de la mode.
Cinq réunions plénières seront prévues, seront réalisées. Alors, format webinaire pour commencer, mais présentiel ensuite, j'espère, avec des réunions téléphoniques aussi et des contributions au fil de l'eau. Chaque fois que le projet PEF fait un appel à contribution auprès de ses membres, cet appel à contribution pour enrichir le projet PEF sera relayé au groupe Miroir français et le groupe Miroir français sera appelé à répondre aux sollicitations et nourrir ce projet européen. Voilà, très rapidement sur le GT groupe Miroir français du projet européen PEF à Paris. Donc en synthèse, diapositive suivante, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez toute la démarche pour vous, entreprise, de passer de sensibilisation à CET, qui est la communication consommateur, mais via des notes qui ont été vérifiées, approuvées par un tiers. C'est quelque chose pour lequel vous pouvez être accompagné par des bureaux d'études, d'où l'intérêt de ce GT accompagnement bureau d'études. Pardon, c'est un travail aussi où on a besoin d'avoir des membres engagés, notamment autour des étapes 3, 4, 5, pour des échanges techniques et puis enrichir le projet européen. Et puis le dernier volet, le GT application développeur d'appli, pour vraiment, au-delà de la communication de chacune des marques auprès de ses consommateurs, quand on est consommateur, on a toutes les marques en face de soi et donc pouvoir avoir un dispositif simple pour capter ces communications environnementales. On a souvent des questions autour de l'étape 6. Donc là encore, je vais faire un focus, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Donc, je vais vous faire un focus sur la vérification par les délégataires de l'ADEME dans le cadre de la délégation de services publics. Donc sur la diapositive suivante, on rappelle juste qu'on a deux types de délégataires suivant les missions qu'on a fixées. Donc ça, c'est l'ADEME qui a fixé ces deux missions et choisi des délégataires pour chacune d'elles. La première mission, c'est de valider des nouveaux référentiels et ou réviser des référentiels existants. Par exemple, le référentiel textile, les parties prenantes de l'affichage environnemental existant nous ont sollicité pour nous dire qu'il y avait une petite mise à jour à faire sur le référentiel existant. Et donc là, c'est sollicitation des délégataires pour le Loing pour réviser le référentiel existant sur les textiles. Il existe aussi un vieux référentiel sur les chaussures qui date des premières expérimentations. Et donc les délégataires de l'ADEME sont là pour valider et réviser ces référentiels. La deuxième mission, donc là, qui concerne maintenant toutes les entreprises qui veulent afficher et calculer des notes, c'est une mission pour vérifier la sincérité des notes environnementales affichées par les entreprises et puis aussi accorder le droit d'usage de la marque et donc gérer ce droit d'usage. Et les délégataires ont enfin une mission générale de promotion et de communication de l'affichage environnemental. Alors les délégataires qui ont été retenus après consultation au printemps dernier, donc sont sur la diapositive suivante. RDC Environnement, AM Valor et le CD2E pour le Loing validation des référentiels et révision des référentiels existants. Et puis les délégataires AFNOR, AM Valor et CD2E pour l'étape de vérification des notes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les délégataires sont soumis aussi à une grille tarifaire commune. Donc ça coûte à l'entreprise de présenter, enfin de s'engager dans une démarche de certification. Donc comme toute certification, il y a un coût à payer pour être certifié. Faut savoir que les trois délégataires sont soumis à une grille tarifaire commune. Donc les principes généraux de fonctionnement pour une entreprise qui saisit la DSP, elle fait une demande à l'un des délégataires. Le délégataire réalise la mission en collaboration avec l'entreprise. Si c'est pour un référentiel, le délégataire peut être aussi amené à solliciter l'ensemble des parties prenantes concernées. Et puis le délégataire, sur cette base, rédige un rapport de validation ou de réserve non conformité, échange avec l'entreprise et le délégataire pour les mises en conformité si besoin, et ensuite le délégataire valide et en validant donne à l'usager le droit d'utiliser la marque impact environnemental.
Donc à partir de ce moment-là, l'entreprise peut communiquer et puis le délégataire reste en charge du suivi des entreprises et des usagers de la marque. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une délégation de service public sur une période de 5 ans. Pour terminer sur la DSP, pour rentrer, pour donner un supplément d'informations sur le contenu technique dans la diapositive suivante, c'est que va faire le délégataire quand vous lui présentez une note. Donc le délégataire va vérifier, la première chose c'est l'outil de calcul, la deuxième chose c'est la sincérité des notes, et la troisième, gérer le droit d'usage de la marque Impact Environnemental. Alors je vois l'heure qui tourne, donc je vais passer au projet PEF, mais on pourra revenir si vous avez des questions. Donc je termine la présentation avec un mot sur le projet européen. PEF apparaît à un footwear. Donc dans la diapositive suivante, je dis simplement que ce projet, c'est une réponse à un appel à candidature de la Commission européenne. Vous voyez, je disais au tout début que le PEF, ça date de 2013 pour la phase pilote. Donc en 2018, la Commission européenne a lancé une nouvelle phase qui est la phase de transition. Et donc ce projet PEF, appareil et footwear, a été déposé à la Commission européenne qui l'a retenu. Et en août 2019, il a été déposé, accepté en octobre 2019 et à début des travaux en janvier 2020. Il est basé sur la méthode développée par la Commission européenne du Product Environmental Footprint. Et puis les bases de données seront aussi les bases de données de la Commission européenne. Aujourd'hui, au niveau français, j'ai envie de dire qu'on est à la fois bien représenté, et il y a des trous dans la raquette, à la fois bien représenté parce que on a le plaisir d'avoir Decathlon qui est membre de l'affichage environnemental français, qui a travaillé aussi sur le PEF T-shirt, qui a beaucoup de données et d'expérience à apporter au projet PEF. On a ReFashion et donc qui permet de toucher l'ensemble de la communauté des metteurs en marché, donc ça c'est top. On a aussi la Fédération de la haute couture et de la mode avec une expertise en analyse de cycle de vie. Et puis un savoir-faire vraiment particulier et puis des approches qui vont pouvoir contribuer et puis contrebalancer. Vous voyez l'ensemble des membres votant, non votant sur le slide. Donc on a aussi beaucoup de grandes marques européennes et nord-américaines. Et donc un regret, c'est l'absence de PME dans le consortium parce qu'il n'a pas été possible. Elles ont été sollicitées, resollicitées, mais ça n'a pas été possible aujourd'hui de les capter dans le consortium de ce projet européen. D'où l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure, de participer à l'échelle française. La France est le seul pays européen à mettre en œuvre un groupe miroir de ce projet européen. Donc de contribuer à l'échelle française, c'est plus facile au niveau des réunions, au niveau aussi de la barrière de la langue. Mais on a besoin de données, on a besoin d'arguments, on a besoin d'études de cas dans le cadre de ce projet. Donc là, il y a une petite flèche sur la diapo pour dire que la Fédération de la haute couture et de la mode est bien aujourd'hui membre votant après une période de quelques mois en qualité de membre non votant. Alors le projet européen, je voulais lister rapidement les points communs et les synergies avec l'affichage français. Dans la diapositive suivante, c'est tout simplement pour dire que ce projet européen, pour nous, il s'inscrit dans l'expérimentation de l'affichage environnemental. L'expérimentation qui est énoncée dans la loi, elle parle de l'ensemble des dispositifs d'évaluation environnementale et de communication environnementale. Donc le PEF fait partie des dispositifs possibles, d'où l'intérêt de ce groupe miroir français qui fait la passerelle entre les deux dispositifs. Vous voyez bien que tout ce qui est fait dans l'affichage environnemental au niveau national peut contribuer directement à élaborer des référentiels au niveau européen. Et inversement, ce qu'on travaille au niveau européen va profondément modifier à l'avenir l'affichage environnemental français, va le compléter. Et donc, à un certain moment, l'échelon européen va prendre le pas sur l'affichage environnemental français. Donc il y a vraiment cette synergie à développer dès le plus tôt. On a envie de dire aussi que les pionniers au niveau français seront les pionniers de demain sur l'affichage européen.
Et la similitude, c'est que on est sur la même logique, on est sur la même méthode, sur la même philosophie, on est sur l'analyse du cycle de vie, on est sur la modélisation des impacts. Donc on parle de la même chose, on est sur le seulement on le fait un petit peu différemment. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est si vous êtes prêt à contribuer, si vous avez des valeurs, des données, des études de cas à présenter, bah c'est le bon moment aujourd'hui pour rejoindre ce groupe de travail que nous avons monté au niveau national. Alors il y a aussi des différences, bien sûr, sinon ce serait trop simple. Donc dans la dernière diapo, pardon, ça synthétise finalement ces différences. La première, c'est le périmètre géographique. Au niveau français et le PEF, c'est plus de 50% du marché européen qui est représenté dans le groupe de travail. Donc on est sur une échelle beaucoup plus large, avec du coup des discussions aussi qui nécessitent un engagement et de se mettre d'accord au niveau européen. Le calendrier, l'affichage environnemental français est disponible, a déjà été testé dans le cadre du pré-déploiement. Et donc il est prêt à être utilisé et généralisé. Tandis que le projet PEF aujourd'hui, c'est un projet qui est en développement, en construction, avec un horizon de temps jusqu'à fin 2022 pour une validation par la Commission européenne et donc une prise en main à partir de 2023. Au niveau technique, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau français, on a un seul référentiel pour tous les textiles. Donc, on couvre toute la garde-robe avec ce référentiel qui fait une cinquantaine de pages et qui repose sur la base impact que j'ai évoquée tout à l'heure. On a deux indicateurs CO2 et eutrophisation. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin au niveau européen avec cette fois-ci un référentiel. Enfin, il y a 13 référentiels en tout pour 13 catégories de produits. Si on prend l'exemple du PEF T-shirt qui avait été développé, c'est une centaine de pages pour le PEF T-shirt. Donc là, on va avoir une bible de plus de 1000 pages. Ça repose sur une base de données européenne qui est beaucoup plus complète que la base Impact et notamment qui permet le calcul de 14 indicateurs. À l'inverse, au niveau de l'outil, vous avez la pyramide en tête, là où avec la segmentation des 7 étapes pour aller jusqu'à l'information au consommateur. Ça, c'est l'affichage environnemental français. Le projet PEF, lui, se concentre sur les étapes de référentiel, donc de calcul des indicateurs, et ne va pas sur la note ABCDE et ne va encore moins, du coup, sur la communication auprès du consommateur. Donc, c'est l'étape intermédiaire qui permet de faire ces calculs des 14 indicateurs d'impact. Et enfin, sur le financement, je l'ai évoqué, il y a des financements, des subventions ADEME qui sont accessibles aujourd'hui pour vos projets d'éco-conception qui intègrent la démarche d'affichage environnemental. L'ADEME participe en tant que membre votant et apporte sa contribution financière au projet PEF, mais aujourd'hui, il n'y a pas de financement public qui est prévu pour les entreprises engagées, pour financer les entreprises qui s'engagent à aller sur la modélisation via le PEF. Donc voilà, j'espère que ces quelques slides de présentation, même si c'est rapide, vous ont éclairé sur l'actualité. On est remonté 10 ans en arrière. Moi, je voudrais juste finir avec une vision prospective qui est toute personnelle, mais on voit beaucoup de choses qui finalement convergent dans le même sens et à un horizon très proche. J'ai l'impression qu'il y a aussi une accélération, donc c'est pour ça que sans rentrer dans des dates hyper précises, mais pour moi c'est 2023-2025 qui va se passer des choses vraiment importantes. Une vision prospective personnelle et aussi ambitieuse, bien sûr, où je vois que l'affichage environnemental textile et chaussures est finalement généralisé. C'est plus une question, c'est un fait et un constat. Ça repose sur cette idée qu'on avait déjà il y a 10 ans, mais de score unique ABCDE calculé sur une analyse de cycle de vie. Je vois que c'est un affichage qui est plébiscité par les consommateurs, avec un soutien aussi et une animation via l'éco-organisme qui, dans un premier temps, accordera une prime aux entreprises qui le mettent en œuvre, et puis ensuite, quand il sera généralisé, voire obligatoire, une prime pour les produits qui seront les plus performants et référencés avec des notes A ou B. Je note aussi que les entreprises qui sont engagées dans l'affichage environnemental, finalement, il y a une convergence avec plein de sujets autour de la traçabilité, autour de l'éco-conception et de l'amélioration de la performance globale des produits, alors globale, économique, environnementale, sociale.
Et puis finalement, je pense que l'ADEME n'aura, vous n'aurez plus beaucoup besoin de l'ADEME en 2025 pour des subventions, parce que tout le monde sera engagé sur la mode durable et que ce sera une mode rentable. Et enfin, le modèle français, souvent une question qui arrive aussi, c'est oui, mais quel est le socle technique? J'ai l'impression que c'est comme les logiciels, ce sera une mise à jour. Et finalement, le socle technique, il va basculer. Base Impact en 2030 existera plus, sera la base de données européenne, de même que le BPX 223323. Tout ça sera basculé vers le socle technique qui sera européen et beaucoup plus complet. Je vous remercie de votre attention. On a des fiches aussi sur le site de l'ADEME et puis tout un nombre de références. Donc, je vous invite à aller regarder les supports que vous pouvez trouver sur ADEME.fr. Un grand merci, Erwan, pour ton intervention plus que complète. Je tiens à préciser qu'on n'aura pas le temps de faire le jeu des questions-réponses. On s'en excuse. Toutes les questions que vous avez pu poser dans le chat aujourd'hui vous seront adressées aux intervenants et essaieront d'y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Merci d'être resté. On a un tout petit peu débordé en termes de timing. Donc j'espère que cette matinée vous a plu. Autant sur le contenu que sur le format de la matinée, hein, qu'elle va vous permettre d'initier ou de continuer, voire de renforcer vos démarches d'éco-conception et aussi d'affichage environnemental. C'est le moment. J'espère que les vidéos témoignages de marques vous ont inspiré. Elles seront en ligne très prochainement sur la plateforme EcoDesign, à côté de tous les articles qu'il y a déjà. Aujourd'hui, on vous a mis en avant 5 marques, mais il y en a d'autres. Donc, allez les découvrir sur la plateforme EcoDesign. J'espère que tous les intervenants ont également permis d'approfondir vos connaissances sur cette belle thématique de l'éco-conception et plus largement de l'économie circulaire. Je tiens également à remercier toutes les parties prenantes qui nous ont aidés dans la construction de cette plateforme, donc tous les intervenants qui étaient présents aujourd'hui, l'association Auré qui nous accompagne depuis le début, les marques qui sont en constante co-construction avec nous sur ce sujet, qui répondent à des questionnaires, participent à des ateliers pour qu'on leur propose un outil le plus pragmatique possible, le comité EcoDesign, un comité qui se réunit tous les trimestres et avec lequel on avance pour vous proposer un outil à la hauteur de vos attentes. Tout ce que l'on appelle chez nous les « friends and family » qui nous entourent, les différentes institutions qui nous entourent. Et puis particulièrement, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe ReFashion. Beau travail d'équipe pour organiser cet événement. Merci à vous tous les participants. Plus de 1000 inscrits, on était très surpris. Participation plus qu'à la hauteur de votre motivation. Donc, je pense que la filière est prête à changer et prête à évoluer. Donc, il faut qu'on continue dans cette lancée. Pour ça, je vous le redis une dernière fois, inscrivez-vous sur la plateforme EcoDesign et je vous donne rendez-vous fin 2020 et les années à venir pour les différents rendez-vous d'éco-conception que l'on va organiser. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.